pas. Hein? Parce que de voir des bocheuses. On avait fait des très belles palettes. Merci les derniers matchs. Merci, c'est gentil. Chapeau pour faire ces gentils. Franchement, je vous ai vu. Daniel, passé. Je suis président de Villebois. Voilà, des mots aussi pour Loïc Jacquet, le deuxième ligne. Ouais, Daniel Cozé maintenant. Martin Poidralier, ça va. Ligne gauche, originaire du Tarn, nous avons. Bonne finale. Et votre capitaine, Rodrigo Capon Ortega, 20 ans de carrière au club. Comment ça va? Vous pouvez être fier, hein? Franchement, vous avez défaut tous les pronostics et les derniers matchs étaient sublimes. Voilà les félicitations du président Macron pour le capitaine du jour, Capo Ortega. Le joueur d'Amérique du Sud, originaire d'Amérique du Sud. Uruguayen. Uruguayen qui n'a pas lâché la main du président. Un bon match à vous. Laurent Gardona. Rodrigo Capo Ortega qui n'était pas titulaire lors de la demi-finale, mais qui est un élément très important au sein du CO. Il est au club depuis plus de 16 ans, Fabien. Ah, c'est la blessure de la salle à demi-finale, qui a dû laisser sa place à Capo Ortega. On a découvert le trio arbitral composé de Jérôme Garcès, Pascal Gahuzer et Laurent Cardona. Et désormais, la présentation du club de Montpellier avec Moed Altrade, le président. Ça commence par Louis Picamol, évidemment, capitaine de cette équipe. De retour au bercail. Ouais, formé à Montpellier comme Narajvili. Qui est arrivé en 2011 à Montpellier, il ne savait pas s'il jouait pilier gauche, pilier droit, talonneur d'origine géorgienne et qui s'est imposé très rapidement à gauche de la mêlée, surpuissant talonneur. Duplessis, les frères Duplessis, deux frères Bismarck et Jean Duplessis, encore un Sud-Africain, en seconde ligne, Paul Willemse et Van Dresbourg, deux Sud-Africains, Fufu. Formé au Pic Saint-Loup, troisième ligne, ancien capitaine. Kélian Galetier, formé au Pic Saint-Loup. Fils du père, ancien troisième ligne centre de cette équipe. Benjamin Fall, l'ailier de cette équipe internationale qui réalise l'une de ses meilleures saisons. Lui qui était longtemps le grand espoir du rugby français. À côté de lui, Dumoulin, qui lui a gagné sa place de titulaire sur une suspension de Serre Fontaine et il a fait une énorme demi-finale. Contre le Loup, auteur d'une passe décisive, d'un essai, un joueur déterminant sur ce match. Jesse Mogg, l'arrière de cette équipe de Montpellier, qui quittera le club d'ailleurs à la fin de la saison. François Stein, le Sud-Africain, à côté de Juan Pinar. Merci à vous. Ça va. Jarad Ouata qui est sur le banc, Aaron Cruden évidemment, le All Black, champion du monde en 2011. Oui. Hein? Bonjour, vous allez bien? Bonne finale. Ça va? Alors on fait tous les remplaçants, Enzo Sanga. David Koubri Ashvili maintenant, on a vu également au passage Julien Bardi, Henri Melman ici en gros plan. Et enfin, Joey Tomane et puis le monstre Nadolo. La star qui s'agenouille. Fidjienne d'origine, monstre plus de 130 kg, 3 carrels, une sorte de John Alomou. Même si, entre guillemets, personne ne ressemblera à John Alomou, mais c'est un peu son profil. Il me fait penser parfois à ce joueur hors norme. Il est hors norme. Voilà, maintenant le président Emmanuel Macron va regagner la tribune officielle. L'occasion pour nous de rejoindre au bord du terrain, puisqu'évidemment, pour la finale du top 14, on a un dispositif tout à fait exceptionnel. Cédric Baudou, Raphaël Ibanez, Clémentine Sarla, bonjour à tous les trois. Bonsoir Mathieu, bonsoir Fabien, effectivement. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h30 avec une belle surprise qui vous attend à l'issue de cette soirée. On n'en est pas là pour l'instant. Raphaël, est-ce que, évidemment, le Castres Olympique a les moyens ce soir de barrer la route à Montpellier? Bonsoir à toutes et à tous. C'est vrai que Mathieu et Fabien auront tout le loisir de décortiquer la qualité du jeu au pied, la qualité des maîtres à jouer
des deux équipes plus tard dans le match. Mais il y a un élément pour moi qui me paraît très important. Montpellier a été vraiment impressionnant dans la qualité du jeu au sol en demi-finale avec des déblayages, avec des nettoyages très rapides. Donc ça va se jouer vraiment sur ces impacts au sol. Et Castres est vraiment en mesure, avec une bonne troisième ligne très pénible, de les contrer dans ce secteur. Voilà Mathieu, Clémentine nous dira tout à l'heure qui a gagné le toss, juste après je pense la Marseillaise. Exactement, avec Omar Hassan, ancien international argentin, le Pumas, ancien joueur du Stade Toulousain également, qui va entonner la Marseillaise. Vous allez voir, il a une voix extraordinaire, Omar Hassan. On l'avait vu à l'œuvre sur les finales de Pro D2, et ce soir il va donc entonner la Marseillaise ici au Stade de France avant cette finale. Faites ce qu'il faut. Faites ce qu'il faut, on compte sur vous, mais je sais que vous êtes là. Je sais, ils le savent aussi, ils savent que vous êtes là. Vous êtes prêts. On va vivre une superbe finale, les conditions sont idéales. Ça va être fantastique. Poussez derrière votre équipe. Soyez forts avec eux, parce qu'ils sont forts ce soir. Ils sont tous forts ce soir. Soyez forts avec eux. Poussez-les. Un petit retard dans le protocole parce qu'Omar Hassan est prêt pour chanter la Marseillaise. Alors on entend une bande sonore, on ne sait pas trop à quoi ça correspond en attendant. Ah, c'est la mise en scène. Ça va être super. Avec, on en a envie, ils en ont envie, tout le monde en a envie. Il fait le show. Cédric, au bord du terrain, vous avez peut-être des éléments. Oui, des éléments. C'est que le président Macron retrouve la tribune présidentielle et serre des mains. Il est pas mal sollicité sur la remontée, donc on va en profiter pour demander à Clémentine les dernières infos, effectivement. Et qui a gagné le toss, qui va engager lors de cette finale. Alors, c'est évident, c'est Montpellier qui a gagné. C'est Louis Picamon, le capitaine, qui a remporté le toss. Ils ont décidé d'engager pour mettre la pression d'entrée. Le MHR jouera en bleu, puisque vous le savez, Castres et le MHR ont les mêmes couleurs. Et le Castres olympique en blanc. Raphaël, les Montpelliérains qui n'ont pas hésité à engager, ça en dit long sur leurs intentions en début de match. Oui, bien sûr, ils ont cette capacité à vraiment mettre la pression sur l'adversaire, une grosse exposition de leur puissance physique dès les premiers instants. C'est ce que l'on va sans doute découvrir rapidement. Oui, Mathieu, une des clés certainement, alors qu'on voit le président de la République qui serre beaucoup de mains avant de retrouver sa place, donc on l'attend pour cette Marseillaise. Une autre clé peut-être, c'est peut-être, messieurs, cette capacité de décastrer, à encaisser les 20 premières minutes face à cette surpuissance de Montpellier. C'est en tout cas ce qu'ils ont réalisé à merveille sur le match de barrage à Toulouse, puis ensuite face au Racing, une équipe qui en mode phase finale est véritablement une machine à gagner, on vous le disait, troisième finale en 6 ans pour le Castres olympique de Christophe Furios ce soir. Mesdames, mesdemoiselles, alors le président Emmanuel Macron a rejoint sa place, c'est fait, et c'est l'heure de la Marseillaise maintenant avec Omar Hassan. À l'autre fin de la patrie, le jour des gloires est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard semblant délevé, l'étendard semblant délevé. Entendez-nous dans les campagnes mugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes. Aux armes, citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons, qu'est-ce-t-il, armés de nos sillons. Magnifique Marseillaise, chanté par l'immense Omar Hassan. Bel organe, hein, Fabien. Ancien pilier droit argentin du Stade Toulousain, superbe joueur, talent hors norme. Et puis vous avez remarqué pendant les hymnes que Willemse, le Sud-Africain d'origine seconde ligne, chantait la Marseillaise. Oui, peut-être il a demandé un petit appel du pied au président de la Fédération française de rugby, parce que dans quelques mois il sera sélectionnable en équipe de France. Il est considéré comme un joueur GIF. Issu des filières de formation, donc sélectionnable. Et vous allez voir, c'est un sacré client. Et un sacré poulet. Dans quelques instants, on vous parlera encore plus en détail des duels à suivre dans ce match. Mais avant cette rencontre
On va observer une minute de silence. Fabien, vous avez sans doute suivi ce drame. C'était lors des demi-finales des supporters castrés du club de Beaucaire qui se sont malheureusement tués dans un accident de car en rentrant des demi-finales à Lyon en leur honneur ce soir. Une minute de silence au Stade de France. Merci. Voilà, une minute de silence qui s'est transformée en minute d'applaudissement. Il y a un hashtag Solidarité Beaucaire si vous voulez faire des dons pour les victimes de cet accident. 60 000 euros ont déjà été récoltés. On a une forte pensée pour ce club de Beaucaire ce soir, juste avant cette finale de Top 14. Rory Cocotte, Fulgence Ouédraogo, voilà des leaders de jeu, Fabien, qui auront vraiment une importance prépondérante ce soir dans cette finale avec le capitaine Rodrigo Caporta, côté castré. Ouais, ça commencera d'abord par un coup d'envoi qui va être joué par les Montpelliérains et qui est tapé par le demi de mêlée, hein. Pinard, d'habitude c'est le numéro 10. Eh bien, c'est Pinard qui a pris le jeu au pied depuis quelque temps dans cette équipe. Il est responsable quasiment de toutes les sorties de camp. Des coups d'envoi, des coups de renvoi. C'est lui qui prend les pénalités. Le joueur qui est passé par l'Ulster. Et qui jouait d'ailleurs parfois dans cette province irlandaise au poste d'ouvreur et de 10. Ouais. Formé à Durban. Il joue pour le Natal Sharks. Tapé au centre du terrain pour faire reculer les castrés. C'est Cocotte qui récupère et qui lui aussi va sortir son équipe de son camp. Petite touche trouvée à hauteur des 30 mètres. Pinard, Cocotte, on vous parlait de ce duel. Sachez que ces deux joueurs ont même été associés à l'époque au Natal Sharks. Ils ont même remporté une Currie Cup ensemble. Et on touche du doigt aussi. Une des problématiques du rugby français, c'est la charnière. Aujourd'hui, les deux charnières qui s'affrontent, ce sont deux charnières qui sont étrangères. Pinard à 9 et Cruden, Aaron Cruden, le néo-zélandais côté montpelliérain. Yordapi est à argentin et Cocotte côté castré à la mêlée. Qui a été naturalisé français puisqu'on l'a vu sélectionnable avec le 15 de France. Cruden, on le retrouve pour servir premier ballon. François Stein, joueur déterminant dans le dispositif de Verne Cotter. Qui est le joueur qui casse le plus la défense dans le championnat. Il est au-dessus de 40 plaquages cassés. Quand vous savez que le second sur les statistiques en France est à peine la moitié. Et tout de suite, les Montpelliérains qui mettent leur jeu puissant en place en envoyant du lourd. Et encore une fois, François Stein dans la défense casse 13. Raphaël Ibanez parlait du jeu au sol, la bataille des rucks ce soir qui aura son importance. On retrouve Willemse maintenant et ses 136 kilos lancé à pleine vitesse avec Juan Pinard dans le fermé. Nadolo encore une fois, 136 kilos lui aussi. Ce sont les chars d'assaut de Montpellier que l'on lance dans ce début de match. Galetier est passé au sol, Pinard pour Cruden. Cruden qui va attaquer la zone du 10, la ligne d'avantage. Il arrive hors-jeu, position d'hors-jeu des castrés sur l'enchaînement des Montpelliérains qui n'ont pas gagné beaucoup de mètres depuis la touche mais qui ont le mérite de tenir le ballon et de promener celui-ci sur la largeur et mettre à la faute les castrés. Vous avez très bien signalé la force de frappe des Montpelliérains. On a vu Willemse, on a vu Stein, on a vu Nadolo, on a vu Picamol, des joueurs qui portent le ballon surpuissant. Et la première pénalité à l'avantage du MHR. Louis Picamol, le capitaine de cette équipe de Montpellier, a montré les poteaux. Et Juan Pinard, vous l'avez dit, le buteur de cette équipe, 20 points en demi-finale voilà contre Lyon. Caporta qui ne se sort pas de la zone de ruck, le ballon porté par Kélian Galetier. Très bien arbitré. Quand on commence à siffler très rapidement dans un match, ces fautes qui sont là pour ralentir le jeu, ça permet ensuite de donner un match souvent aéré. Les joueurs vont s'adapter à l'arbitrage. Monsieur Gahuser. Monsieur Garcès, qui a pris de suite ses responsabilités. Il ne veut pas qu'on traîne pour ralentir le jeu.
Et messieurs, juste les conditions climatiques sont parfaites. Hein. Il n'y a pas de vent, il fait à peu près 20 degrés, donc ouais. Il n'y aura pas d'éléments extérieurs pour les Jeux. Ouais, et oh, attention, incroyable. Ça c'est très surprenant de voir Juan Pina. Ah ouais. Alors manquer une pénalité, certes, mais la manquer comme ça. Incroyable raté. La pression de ce match, vous savez, les joueurs sont sortis quasiment depuis 20 minutes. Le protocole est très très long. Et parfois, durant le protocole, entre la sortie des vestiaires, le protocole, on laisse beaucoup d'influx. Même un joueur comme lui, qui a plus de 80 sélections chez les Springboks, qui a été champion du monde, peut se trouver déstabilisé par cet événement particulier qui est la finale du championnat de France. Champion du monde, il a disputé 3 Coupes du monde, Juan Pina. 3 Coupes du monde. Joueur avec une expérience folle. On le retrouve d'ailleurs pour monter une chandelle maintenant. Celle-là, elle est bien tapée par contre. Attention, la pression en bas. Une bonne récupération d'Urda Pilieta. L'ouvreur argentin de cette équipe du CO. Rory Cocotte le joue au pied. Attention à Nadolo. S'il peut prendre de la vitesse, non, il choisit de servir Jesse Mogg. Là, il va y avoir une observation avec un jeu au pied 22. Au 22, jeu au pied, un gagne de terrain. On ne va pas prendre de risque de relancer. Cocotte, il n'est pas là. Ouais, sur il cherchait son pied droit. Et puis finalement, il a juste son pied gauche. Les Montpellierains qui vont chercher à faire reculer et mettre la pression sur les casseries avec Benjamin Fall qui va être à la retombée. Ouais, avec Jesse Mock qui va coffrer Benjamin Urda Pilieta qui concède une touche sous les yeux de Laurent Cardona. Le juge de touche ce soir, ce sera une touche pour Montpellier. Urda Pilieta qui s'est déjà sacrifié sur 2 jeux au pied haut. Hein, joueur très très courageux, numéro 10 d'origine argentine. Passé par les Harlequins de Londres et par Uyuna. Sous la pression de Benjamin Fall. Et il se plaignait évidemment du plaquage de Jesse Mock. Un petit peu haut, Benjamin Urda Pilieta, pièce maîtresse du CO, vous le disiez, joueur vraiment courageux parce qu'il a un petit gabarit aujourd'hui dans le rugby. Un mental argentin, ne lâche rien. Touche déviée en deux temps. Oh, le petit jeu au pied. Le Cruden dans le deuxième rideau, mais la bonne couverture de Thomas. Combezou qui a pris Nadolo dans le buffet. Est-ce que ce plaquage est dans les règles? Ouais, derrière il y a une pénalité. Et Louis Picamol est blessé et en train de se faire soigner du côté de Montpellier. Ouais, ouais. Il était à la limite là, le plaquage de Nadolo, un peu à l'épaule, dans le dos. On reverra peut-être tout ça alors que Louis Picamol, effectivement, reste au sol. Il s'est fait prendre son ballon, je ne sais pas si l'arbitre va demander la vidéo, mais sur le petit jeu au pied de Cruden, Picamol s'est fait plaquer son ballon. C'est ce que lui dit Fulgence Raogo, s'il vous plaît, regardez la vidéo. Et si on prend le ralenti, vous allez voir comment il va se faire stopper net par la ligne de défense castraise. Verne Cotter, première saison à la tête du MHR après avoir ressuscité en quelque sorte le rugby écossais. Il s'offre une finale dès sa première année avec Montpellier. Il avait déjà ramené un bouclier de Brennus à Clermont. C'est un technicien très écouté, très apprécié, très reconnu. En attendant, Castres a trouvé une touche dans le camp de Montpellier. On n'a toujours pas l'image concernant Louis Picamol. Ce plaquage éventuel à retardement, Fabien. Belle conquête de Castres, pareil, sur un début d'alignement pour assurer. Ouais, et Tomo Epo qui est sollicité. Il a été très bon en demi-finale. Tomo Epo qui résiste à plusieurs plaquages avant d'être repris finalement. La libération tempo de Rory Cocotte. Parfaite et les Castrés qui jouent au près avec Tichit maintenant. Mise au sol. Avantage en cours. David Smith qui relève ce ballon au près pris par Duplessis. Le relais dans l'axe du talonneur. Urda Pilieta maintenant. Cutzé du mouvement avec Combezou. Le petit coup de pied rasant dans le dos de Juan Pinar en couverture. Avantage en cours. On revient à la faute des Montpellierains qui ne sont pas sortis de la zone de plaquage comme précédemment pour les Castrés. Belle séquence. J'aime bien M. Garcès qui prend ses responsabilités. On va voir du rugby. On va voir du rugby ce soir avec un arbitre qui est intransigeant sur le jeu au sol. Et la deuxième opportunité dans cette finale, elle va être pour Benjamin Urda Pilieta. 279 points cette saison avec l'OCO en top 14. Un pied gauche redoutable qui, dans cette zone des 40 mètres, est le buteur attitré du CO parce qu'au-delà, c'est souvent Rory Cocotte qui s'en charge, Fabien. Ouais, il a beaucoup travaillé. C'est un joueur qui était en difficulté quand il est arrivé à Castres. Parce que le terrain est dans le sens du vent. Il y a beaucoup de vent à Castres, notamment le vent d'Autun.
Il a été très perturbé sur ses premiers matchs. Il a beaucoup travaillé avec l'ancien grand buteur de Castres, Romain Tellet. Romain Tellet, qui lui a donné, en fait, vous allez voir comment il va frapper, il a donné un peu sa méthode. Et il s'est beaucoup inspiré de Romain Tellet. Et aujourd'hui, il a une frappe qui monte moins haut, beaucoup plus précise. Romain Tellet qui entraîne les Crabos de Castres, qui étaient en finale en levée de rideau face à Grenoble. Et les Grenoblois l'ont emporté sur le fil 20-13 face aux Castrais de Romain Tellet. La tentative de pénalité de Benjamin Urdapilieta et le CO. À environ 40 mètres des poteaux de Montpellier, ça part bien. Et ça passe. Et c'est Castres qui ouvre le score ici au Stade de France. 3-0. Ouais, pour première possession, hein, suite à une pénalité. Donc les Montpellierains qui ont été sifflés deux fois consécutivement, hein, sur la faute de Nadolo, le plaquage. Et ensuite la possession castraise. Terrible efficacité des Castrés qui en une possession ont réussi à mettre à la faute les Montpellierains. Et le renvoi effectué par Juan Pinard. Renvoi long, prise de balle de Capo Ortega pour les Castrés. Ballon sécurisé pour Rory Cocotte dans ses 22 mètres. Qui va faire travailler, ouais, voilà, son talonneur, Rallier. Il va organiser, il va faire relever les joueurs rapides. Il va organiser une ligne défensive. Et prendre, il a les deux pieds, lui. Il peut faire pied droit, pied gauche. Chercher la touche ou bien jouer au pied de pression. Au choix. On va voir, les ailiers sont prêts à monter. Ouais, c'est un coup de pied de dégagement. D'occupation. Alors, Cédric Baudou est du côté de Castres ce soir. Clémentine Sarla du côté de Montpellier. Cédric, avec vous, peut-être juste avoir un ressenti, comment ça se passe au bord, écoutez, du terrain, est-ce qu'il y a de la tension? Non, beaucoup de calme du côté du banc, justement castré, avec Christophe Furios qui jusqu'à présent n'a pas dit un mot quasiment. Voilà, c'est les premiers mots qu'il prononce à l'instant même. Très calme l'entraîneur castré. Et du côté de Montpellier, Clémentine, c'est calme aussi? Même son de cloche, très calme. Très ça bien. Vient de débuter. Allez, le lancer de Bismarck Duplessis, une bonne conquête. Oui, Picamol libère pour Pinard maintenant avec Dumoulin. Pinard pour éjecter rapidement ce ballon, mais il est arrêté, la François Stein, et il subit la bonne défense, ouais, des Castrés. La bonne montée défensive des Castrés, François Stein qui était très plat, arrêté. Castrés qui monte très fort sur la première passe. Pinard pour Cruden dans le fermé. Cruden, il a le soutien intérieur de Benjamin Fall, ouais, il a conservé. Stein maintenant, mais on coupe bien les extérieurs, en l'occurrence la bonne montée défensive d'Armand Baye. Pénalité, ballon tapé par un joueur castré sur la passe de Cruden qui cherchait à démarquer Nadolo. Échange entre Jérôme Garcès et le capitaine Louis Picamol. François Stein est venu se proposer à cette distance en coin pour taper la pénalité. On a vu sur le banc de Castres Thibaut Lassalle, deuxième ligne, malheureusement blessé pour cette finale. Lui aussi un joueur de l'ombre, courageux, besogneux. Voilà la faute des Castrés sur cette passe, c'est Bail, Armand Bail qui tape le ballon. Transmission de Dumoulin qui est attaqué l'épaule extérieure de Benjamin Urdapilieta. Et tout au long de ce match, n'hésitez pas à aller sur notre site francetvsport.fr pour désigner l'homme du match Société Générale. Il y a un voyage au Japon lors de la prochaine Coupe du Monde à gagner pour deux personnes pour aller assister au match Angleterre-France, France TV. Alors François Stein est à la longueur, il est capable de mettre une pénalité de 60 mètres, des drop goals de 60 mètres. Joueur d'origine sud-africaine, surpuissant, pied droit, beaucoup de pieds à Montpellier. Ouais, et là tout de suite, ça va mieux pour le MHR qui égalise grâce à la botte de François Stein. Et là on peut penser, Fabien, qu'il sera peut-être le buteur de cette finale parce que Juan Pinard lui a cédé ce coup de pied. Alors il était longue distance, ouais, il y a eu l'échec de Juan Pinard. En tout cas, Montpellier égalise. Ballon capté par Louis Picamol qui a bien récupéré, hein, depuis ce plaquage tout à l'heure. Très autoritaire cette prise de balle en l'air de Picamol. On va chercher Jesse Borga et son pied gauche qui a une longueur aussi très impressionnante de jouer au pied. Ouais, mais ce ballon a été ramené, ouais, dans les 22 mètres. Ouais. Donc c'est une touche directe. Oula, ça donne une touche très intéressante à jouer par les Castrés, puisque le ballon qui était à l'extérieur des 22 mètres a été tapé directement
en touche par Jesse Mock, qui le savait, hein, il le savait très bien. Il a juste trop désaxé son jeu au pied, pressé peut-être par Cocotte. Le nombre, 6. Et un très bon lancer pour Marc-Antoine Rallier, qui lui non plus n'était pas titulaire au début de ces phases finales, mais Jody Jenneker, le talonneur titulaire, a été suspendu après le match de barrage à Toulouse. Et Rallier, c'est lui qui est en possession de ce ballon. Les Castrés qui tentent de travailler un ballon porté. Cocotte qui ordonne tout ça. Ouais, et ils vont le jouer ce ballon. Cocotte libère pour Dapilieta, peut-être sur les extérieurs. Combezou qui conserve le ballon. Repique au centre, revient dans le trafic pris par Nadolo. Lâchez bleu. Toujours sur l'avantage. Je longe. Ouais, il avance ce joueur. Jeune joueur formé à Vic-Fezensac dans le Gers, qui a cette qualité de puissance naturelle. Mathieu Babillot raillé maintenant. Plaquage de Louis Picamol. Temps fort des Castrés dans les 22 mètres. Je trouve qu'ils ont beaucoup de jus, les Castrés. Beaucoup de vitesse dans leur jeu. Dans leur placement, il y a un 3 contre 2 à jouer. Avec Combezou. Combezou qui fait les extérieurs. La petite Chistera. Et Dumorin ne peut pas contrôler ce ballon, mais on revient à la position de hors-jeu et une nouvelle pénalité pour le CO. Là, il y avait un 2 contre 2. Tomé Opo a peut-être lâché le ballon un peu trop tôt parce qu'il y avait un surnombre côté Castré. Et les Castrés qui ont joué l'avantage à fond. Ah, j'aime bien l'arbitrage de M. Garcès qui favorise le jeu. Une équipe qui a des ambitions et ça coince encore Clémentine pour Louis Picamol, hein. Ouais, il est encore effectivement en train de se faire soigner. Alors cette fois Julien Bardi, le troisième ligne remplaçant, n'est pas parti s'échauffer. Ouais. Peut-être que ça va aller mieux dans quelques instants. Bon, on va surveiller tout ça. En attendant, Christophe Furios donne des consignes à ses joueurs, discute avec son staff et Benjamin Urdapilieta a une nouvelle opportunité. Cette fois-ci, 22 mètres excentré pour le buteur du CO qui pourrait reprendre les commandes de cette finale après un quart d'heure de jeu. Et la précision d'Urdapilieta. Castres 6, Montpellier 3, Montpellier qui est mené depuis le début de cette finale. Les fautes de Montpellier, comme il n'est pas eu cash, deux pénalités, une touche directe. Derrière, chaque fois, c'est 6 points. Efficacité maximale à ce début de match côté Castres. Et effectivement, Fabien, vous avez raison de le préciser, des joueurs qui ont du gaz, qui ont du jus, à l'image de David Smith là, qui a relevé. Ballon perdu, hein. Ballon perdu, turnover. Hein. Souvent, les turnovers sont les ballons qui sont le mieux exploités aujourd'hui dans le rugby moderne. L'équipe qui était en phase offensive n'est pas placée pour défendre. Willemse a créé un point de fixation. Pinard demande qu'on circule. Lance Van Rensburg. Libération rapide pour Cruden. Stein, mais on monte très rapidement. Et la défense, encore une fois, de Castres. Et Combezou, qui tape à suivre maintenant un petit peu court à la course. Le retour de Juan Pinard, sauf qu'il peut, dans le camp de Montpellier. Encore une fois, la défense agressive de Castres, qui a mis sur le reculoir les mammouths de Montpellier, comme François Stein. Hermétique, les Castres en défense, et surtout très engagés. Ils font lâcher les ballons des Montpellierens qui cherchent à jouer, qui cherchent à jouer sur la défense. Malheureusement pour eux, ils n'y arrivent pas. Et les Castrés qui sont très présents collectivement, les mettent à la faute et récupèrent une touche à hauteur des 30 mètres. Lancé Marc-Antoine Rallier. Mathieu Babillot capte ce ballon pris par Galotier. Attention de ne pas se mettre à la faute côté Montpellierens. Ça y est, c'est fait, c'est sifflé. Cocotte fait travailler Caporta auprès. Cocotte libère maintenant, on va jouer l'avantage avec le coup de pied d'Urdapilieta. De toute façon, si ça ne profite pas, on reviendra à la pénalité dans les airs. Jesse Mock s'impose. Du coup, M. Garcès revient. Domination. Et surtout en défense de Castres. Efficacité. Efficacité castraise qui sanctionne à chaque action offensif ou défensif dans le cas montpelliérain par une pénalité leur agressivité, un peu plus supplément d'agressivité
La faute elle a été commise sur cette touche. Beaucoup de fautes grossières côté Charge Montpellier. En l'air. Beaucoup de fautes grossières côté Montpellier. Rodrigo Capo Ortega, je vous le disais, 37 ans, 16 ans au club. Il a tout connu avec le CO et notamment ce titre de champion de France en 2013, la finale perdue en 2014. Castres qui d'ailleurs a préparé ce match dans un château dans l'Oise, le château Maffliers. Ah, je connais. Vous connaissez bien. Le Stade français. Le Stade français en 2007 m'avait préparé il y a 10 ans notre finale face à Clermont-Ferrand dans ce château. Reste. Qui porte bonheur. Hein. Qui porte bonheur. À l'époque, le président était Max Guazzini, que vous venez de voir sur la gauche, sur les gros écrans. Benjamin Urdapilleta qui ajoute 3 points de plus. Castres 9, Montpellier 3, 6 points d'avance. Et c'est effectivement un château qui porte bonheur, Fabien, puisque l'année d'après, Toulon était allé préparer sa finale là-bas et avait remporté le titre. Et l'année suivante, le Stade français également, qui avait triomphé après au Stade de France. On se souvient très bien de cet endroit. Pied gauche de Dabilleta, très efficace, les Castrés qui font peu de rugby dans leur camp, qui essayent de s'exposer le moins possible à la force montpelliéraine qui va devoir maintenant s'adapter parce que c'était pas prévu dans le marche, dans le plan de jeu de Vercoteur d'être mené après 2 minutes de jeu. La ligne verne n'est pas respectée pour l'instant. Non Mathieu. Ils n'arrivent pas à casser cette défense et pire encore, ils se font prendre les ballons. Ils reculent. Contrés. Ils sont même contrés en touche là par Mathieu Babillot. Ballon récupéré par Castres. Gelon a bien fait de taper à suivre, sinon ce ballon était perdu. La relance de Benjamin Fall au centre du terrain. Pinard pour éjecter cette balle avec encore une fois Van Rensburg, souvent positionné. Premier receveur. Il n'avance pas, il n'avance pas. Ce qui est leur qualité. Il va y avoir du pied, je pense. Non, on continue à jouer à la main côté. Jesse Mogg, mais il est chassé lui aussi l'arrière de Montpellier. Le conteste. Ballon libéré, mais retardé surtout par Alex Toulou. Gros travail au sol. Willemse en percussion. Pinard dans le dos pour Cruden. Cruden, il y a un peu d'espace. Dangereux, Cruden. Pinard, c'est très dangereux. Croise avec François Stein. Et en avant, Montpellier n'y arrive pas dans ses 20 premières minutes. Et à la mi-temps de la première mi-temps, avantage à Castres qui, sans ballon, ne laisse pas d'opportunité aux Montpellierains et qui, avec le ballon, sont terriblement efficaces. Première mêlée du match, Mathieu. Après 20 minutes de jeu seulement, une mêlée à jouer, elle arrive maintenant. Comme dirait Marc Dalmazo, maintenant les mêlées, c'est comme du caviar. Il y en a de moins en moins, il faut les déguster. Avec une petite échauffourée, vous avez vu, rien de méchant, mais parce que Rory Cocotte avait été un petit peu puni là sur le déblayage précédent. C'est pour l'ensemble de son œuvre, hein, parce qu'on connaît un peu le caractère de Rory Cocotte. Et en fait, vous savez, Cocotte était le remplaçant de Pinard au Natal Sharks. Il a toujours été le numéro 2 de Pinard. Il est parti il y a très longtemps en France et à Castres notamment, parce qu'il ne jouait pas. Il était barré par celui qui joue en face de lui. Ouais. Et je vous le disais, ils ont remporté une Currie Cup ensemble, c'était en 2008. Rory Cocotte était rentré sur les 5 dernières minutes à la place de Juan Pinard qui était le titulaire du poste et ça a d'ailleurs effectivement engendré la carrière que l'on connaît maintenant pour Rory Cocotte en Europe et notamment en France. Et uniquement Castres depuis le début. En France, oui, il a failli venir à un moment à Toulon, il y avait eu des discussions d'engager et puis finalement Cocotte était resté au CO. Est un joueur très important, il avait été déterminant dans le titre en 2013, ici on s'en souvient. Il avait été le joueur clé, le facteur X qui avait fait la différence sur une fin de passe, qui avait marqué sous les poteaux. C'est un match winner qui peut aussi faire déjouer son équipe lorsqu'il n'est pas bien dans sa peau, mais cette fin de saison, c'est sa fin de saison. Oui, parce qu'en début de saison, c'était un peu le cas, et Ludovic Radoslavjevic, qui venait de Clermont, commençait à s'imposer. Et puis la fin de saison, les phases finales, l'odeur du Brennus. À réveiller sans doute le grand Rory Cocotte qui est à la manœuvre encore avec Rallier, son talonneur. Le beau ballon porté des Castrés qui ont gagné quasiment 40 mètres sur ce ballon porté.
D'habitude, c'est la spécialité de Montpellier, mais aujourd'hui, les Castrés, dans ces 20 premières minutes, ils sont présents. Et on pouvait s'y attendre. Hein. C'est une équipe qui a du caractère avec Mathieu Babillot en percussion maintenant sur Duplessis. Et les Montpelliérains qui sont sevrés de ballon là. Avec Gelon, tête baissée. Oui, qui a été formé à Vic faisant ça, que vous le disiez, Fabien, on connaît bien les fêtes de Vic. Ah, ça me rappelle notre jeunesse. Eh oui. C'était un. C'est toujours hein, un rendez-vous incontournable à Pentecôte pour les amoureux. Voilà. De la tauromachie et pas que. Attention là, ce ballon dans les airs. Oula. Récupéré par Galetier, où Edraogo n'a pas pu contrôler ce ballon. Ce sera une mêlée à l'avantage de Castres. Il n'y arrive pas, les Montpellier. Dans ce début de match, il n'y arrive pas. Surprenant cette fébrilité. Eux qui travaillent avec un préparateur mental, que l'on connaît bien. Éric Blondeau, qui est aussi le préparateur mental de l'Écosse. Ce n'est pas un hasard, puisqu'il a commencé sa collaboration avec Vern Cotter lorsque Cotter était le sélectionneur de l'Écosse. Il a fait des miracles avec les Écossais. On l'avait vu notamment pendant le tournoi, Fabien, lors de la Calcutta Cup, quand l'Écosse avait battu les Anglais à Murrayfield. Et il apparaissait assez serein avant ce match. On a pu discuter tout à l'heure un petit peu avec lui. Mais en face, voilà, il y a l'art de mobiliser ses troupes de Christophe Furios, qui lui aussi fait un travail assez exceptionnel cette saison avec ce groupe. Qui était, vous le disiez, Fabien, lors de la dernière journée, pas en position favorable et qui a l'avantage d'une victoire face à Oyonnax a réussi à se qualifier en tant que sixième et derrière il a fallu aller battre Toulouse pour la troisième fois de la saison en barrage et ensuite le Racing à demi à Lyon. Ils ont su quand même, même si la fin de saison avait été difficile et ils ont eu du mal à sortir, ils ont su aller gagner à La Rochelle, un match quasiment déterminant pour eux pour la suite de la compétition. L'équipe qui s'adapte, caméléon, capable de trouver les chines. Une équipe qui a d'ailleurs perdu sa double confrontation hein, cette saison contre Montpellier. 45-7 à Montpellier et 22-17 à Pierre-Antoine à Castres. Mais là, ce soir, c'est une finale, c'est différent. Et les Castrés sont pénalisés en mêlée. C'est dommage, je me suis fait ces mêlées. Il faut les jouer, deuxième mêlée. Et les Montpelliérains vont peut-être pouvoir capitaliser sur cet événement, parce que jusqu'à présent ils n'ont pas grand chose à se mettre sous la dent. On a vu Nadolo venir encourager sa première ligne. On sent qu'ils ont besoin de se lâcher. Et c'est Antoine Tichit, le pilier gauche de Castres, qui est le joueur le plus pénalisé du championnat, qui a été sanctionné là par Jérôme Garcès, qui donne l'opportunité à François Stein de dégager le camp de Montpellier, mais il ne trouvera pas la touche. Oh là là là, quel il cumule les erreurs grossières, les Montpellierains. Ouais, beaucoup d'erreurs hein, dans ce début de finale, 25e minute, une pénalité grossièrement manquée par Pinard, des touches pas trouvées. Ah, ils vont perdre du terrain là-dessus parce que la Pileta va pouvoir soit relancer, soit jouer au pied pour oh, lui. Le petit il n'y a pas de couverture si le rebond est favorable. Et il est favorable. Alors la Pileta qui a le soutien de Gelon, Combezou maintenant. Ah oui, mais position de hors-jeu. Oh, quel dommage que c'était bien joué. Il était bien placé, il était sur le à un mètre de l'action. Oh, que c'est dommage. Oui. Il est resté au sol d'ailleurs. Et là, c'est souvent un jeu au pied à haut risque dans cette zone des 50 mètres. Il avait la possibilité, Benjamin, de taper loin, de faire reculer encore Montpellier. Il a voulu jouer le coup gagnant. Et c'est parfois du 50-50. Et ouais, là, en l'occurrence, ça va permettre au Montpellierain, qui était vraiment pas bien une fois de plus cette action, de récupérer la possession et de venir occuper. Regardez les différents tirs. À gauche pour Pinard, au centre envers pour Creden et tout à droite pour François Stein. Chaque buteur a un tir. Il y a des artilleurs là. Et une manière de taper. Il y en a un qui me dit. Artillerie lourde de ses chaînes qui va venir. Remets le compteur à zéro s'il te plaît. Qui va venir prendre le pied. Alors là, surprenant parce que Stein n'est pas venu réclamer la frappe. C'est Juan Pinard qui l'a signalé à Picamol. En général, le buteur vient de suite parce qu'il la sent. On va voir. La première, il a tapé aisément. Là, on est à plus de 50 mètres hein, pour François Stein. Ça ne fait pas peur. Hein. Alors qu'il y a une Ola dans le stade. Voilà, il y a la Ola qui est partie au moment où il va buter. C'est parti pour François Stein. 3-4 pas d'élan, il y a la puissance mais pas la direction.
Deuxième échec pour Montpellier. Il n'avait pas demandé. Il n'était pas, pas placé, il n'était pas prêt pour la taper. Là, il y a de la friture sur la ligne côté montpelliérain en ce début de match. Ce qui ne veut rien dire, Mathieu. Vous savez, dans un match, il y a plusieurs scénarios. Et ce qui est certain, c'est que ce que je sous-entendais tout à l'heure est en train de se produire. C'est-à-dire que Juan Pinar, il ne semble pas en confiance et il n'avait pas envie de la prendre, cette pénalité. C'est pour ça qu'il est allé demander à François Stein de venir. Et le résultat, c'est que c'est encore une pénalité manquée. 6 points laissés en route par les Montpellierains. En moment 22 qui sont tapés sur les 15 mètres de la part de directement. Touche directe, il n'y est pas, Juan Pinar. Ça avait été l'homme déterminant de la demi contre Lyon. Et là, il est en train de passer au travers dans cette première demi-heure. Le facteur humain, c'est le facteur émotionnel chez l'individu. Pourtant, il en a connu des événements. Eh bien, il est en train, dans cette première mi-temps, attention Mathieu, là aussi, ça peut tourner. Le banc castré. Hein. Ouais, ouais. Non, mais il avait quand même inscrit 20 des 40 points de la victoire montpelliéraine face à Lyon. Pour l'instant, il n'y est pas. Toulouse. Pour Dapili est un retour intérieur sur Baye. Ça joue bien, ça joue vite côté castré. Attention là au contest de Duplessis. Bien nettoyé. Charge de Capo Ortega à l'épaule. Toulouse maintenant. 8, fini. Fini vite. Cocotte libère pour Ourda Piglietta. Gelon en bout de ligne. Il a le soutien de David Smith face à Benjamin Fall. Défense agressive. Et ballon peut-être récupéré là par les Montpelliérains. Elle est pénalisée au sol. Ils avaient réussi pourtant un très bon contre-rock. Ouais. Ils avaient démarré un très bon contre-rock. Mais Benjamin Fall, une fois au sol. Il doit arrêter de le jouer. Ce ballon, il est un peu. Quoi qu'il arrive, sorti ou pas, au sol, on ne peut pas jouer le ballon. Même s'il est sorti. Ah non, c'est pas sorti. On va voir la défense des Montpellierains, la cage offensive, on se remet sur ses appuis, Benjamin Fall qui va déclencher un contre-rock. Et là, au sol, il va venir jouer le ballon alors qu'il est considéré comme pas terminé ce rock. Et encore une fois, alors qu'on voit ici les joueurs castrés qui ne sont pas concernés par cette finale, mais qui ont aussi œuvré tout au long de la saison, évidemment, avec le CO. Sont confiants hein. Et pour cause Ourda Piglietta pourrait donner 9 points d'avance au CO à la demi-heure de jeu. 100% de réussite pour l'instant pour Benjamin Ourda Piglietta. Piglietta et lui dans un grand soir. Castres 12, Montpellier 3, Cédric avec Christophe Furios. Oui Christophe, scénario idéal, beaucoup de réalisme de la part de vos joueurs dans cette première période. Ouais, enfin, scénario idéal oui, parce qu'on mène au score 12-3. Après réaliste, je crois quand même qu'on domine le match quoi. Donc c'est nous qui avons l'initiative, c'est nous qui conservons les ballons, c'est nous qui avons les meilleures conquêtes. Donc je trouve qu'on mène 12-3 assez justement pour le moment. Quoi. Merci beaucoup. Assez d'accord avec cette analyse lucide de Christophe Furios. Castres est tout simplement meilleur dans cette première demi-heure pour l'instant de cette finale 12-3. Je vous rappelle que vous pouvez sur notre site france-tv-sport.fr désigner l'homme du match Société Générale, un voyage au Japon pour la Coupe du Monde en 2019 et deux places pour le match Angleterre-France à gagner. Toujours propre les casserets, pas de rugby dans l'an 22. Tout de suite un jeu au pied de Cocotte, pied gauche, pied droit. Il est dans son match. Attention, Cocotte, Ourda Piglietta, ils sont dans leur match. Contrairement à leur vis-à-vis, on a parlé en début de partie de l'importance de la charnière. Comme un 9 ou un 10 dans une finale, un fond, gagner ou perdre le match. Et bien là, pour le moment, les 12-3. C'est le déséquilibre qu'il y a de performance entre les deux charnières. Des problèmes là dans cet alignement. On ne respecte pas bien le couloir. Ouais, l'alignement avec 5 avant plus un sixième joueur qui est Juan Pinar pour essayer de ensuite sortir le ballon à l'extérieur. Et on avait placé Louis Picamol dans la ligne pour aller créer ce point de fixation. La libération est bonne cette fois-ci. Les Castrés qui ont rideau défensif, ils sont 14 en ligne. Un seul. Une couverture uniquement de Dumoura. Et même plaque, Cocotte est dans la ligne. Cocotte est dans la ligne, défend à 14 en dehors des 22. Plaque très fort, même Ourda Piglietta que l'on essaye de viser là. C'est pas un joueur qui se sort. Hein. Et puis chez les Castrés, tout le monde gratte.
La cocotte là était à la limite. D'ailleurs, on est sur un avantage en cours. La percussion de Bismarck Duplessis. Pinard à nouveau dans le fermé qui est pris par Urda Pilieta. Il n'arrive pas à progresser pour l'instant les Montpellierains, même avec la puissance de joueurs et comme Willemse, comme Duplessis. Ils n'ont pas de momentum, ils n'ont pas de sortie de balle. Raphaël en avait parlé. Un des secrets de domination, c'est la qualité des sorties de balle, la vitesse à laquelle les ballons vont pouvoir être enchaînés. Vous voyez que les Montpellierains jouent quasiment arrêtés. Ils ont beau être puissants, ils jouent sans vitesse, ils sont pris par la montée défensive, l'agressivité des plaquages casserés. Alors là, c'est Cocotte, on en a parlé, qui est venu se mettre à la faute sur cette action. Grossière faute. Voilà un petit peu le point faible de Rory Cocotte. Parfois, il a les fils qui se touchent. Et là, en l'occurrence, c'est une faute grossière. Regarde, on est à l'équilibre hein, au niveau des pénalités. 5 de chaque côté. Mais pour l'instant, ce qui fait la différence, c'est le 100% d'Urda Pilieta en face. Pinard a connu un échec en début de match. François Stein, tout à l'heure, longue distance également. Il faut que le buteur de Montpellier se remette dans sa routine. Et notamment, lorsqu'on se rapproche de la mi-temps, par expérience, les finales, elles se gagnent souvent dans les 5-6 dernières minutes de la première mi-temps. Quand on rentre dans le vestiaire et qu'on vient de marquer, il y a quelque chose en plus qui apporte. Celle-ci passe pour Juan Pinard. Elle était un peu fuyante, mais elle est passée entre les poteaux. 12-6 pour Castres, toujours dans cette finale. Et Vern Cotter, évidemment, pas satisfait pour l'instant de la production de ses joueurs. Le renvoi à suivre pour les Castrés et Urda Pilieta. Toujours. Alors, il va me faire mentir, mais pied gauche, toujours dans le coin, opposé à droite, assez haut sur les 22 mètres pour Louis Picamon. Voilà. Je ne me fais pas mentir. Pour une fois, Fabien, vous avez de la chance. Pour une fois. C'est le deuxième. Et on est monté très fort, mettre la pression avec Armand Baye et Rory Cocotte. Ce ballon est là, il est en possession. Merci Clémentine. De Montpellier. À un peu de chance de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Et c'est une touche trouvée par le demi de mêlée montpelliérain. Belle 5 touche. Minutes de la mi-temps, oui. Toujours dans les 40 mètres de Montpellier. Alors là, je vous disais, les 5 dernières minutes, l'équipe qui va réussir à marquer. Ça va compter dans la psychologie de ce match et de ce scénario. Voilà, et on s'intéresse de près à l'influence que peut avoir Rory Cocotte sur un match. Il parle beaucoup avec ses partenaires certes, mais avec l'adversaire aussi, ce qui agace parfois. C'est un vrai neuf, impénible. Ne rajoutez pas maître. un stratège. Faute là, attention, il y a faute. Attention, Ariashvili à la limite, l'extrême limite. Rory Cocotte a jeté un coup d'œil dans le fermé, il sert finalement Tichit. Cocotte à nouveau. Là, ça joue. Ah, mais Prudhon a voulu taper à suivre. Pinard est contré. Bon, pas de hors-jeu, ça joue. Urda Pilieta, attention, chassé là. Et il s'en sort. Cocotte a repris sa place. Il a arrêté le jeu. Dans l'axe, il a du Mora. Bon jeu au pied dans le dos de Nadolo. C'est bien tapé. Ah, super. C'est bien tapé. Je ne sais pas si Nadolo l'a touché. Je me pose la question. Superbe touche. Donc c'est bien tapé. Je ne sais pas si Nadolo l'a pas touché. Oh, il est colère, Vern Cotter. Il est descendu là au bord du terrain. Il a le regard vraiment noir. Regardez. Est-ce que Nadolo a touché ce ballon? Non, je ne crois pas. La fameuse phalange, Mathieu. On va voir. Mais je ne pense pas. Non. A priori, non. En revanche, il a touché le panneau. Oui. Et ce sera donc un lancer pour Bismarck Duplessis. Vous voyez pour l'instant la possession. Touche à 3. Là aussi on est quasiment à l'équilibre. Possibilité de lancer au-delà des 15 mètres pour un joueur comme Louis Picamon. Non. Oh l'attention aux frappes. Ça va donner de la 5. Mais que se passe-t-il là, je vous l'ai dit. Montpellier déjoue. Mathieu, la dernière minute et cette mêlée pour Castres. À 4, à 5 mètres de la ligne, à 4 minutes de la fin. Là une touche à 5 mètres. Déviation directe. En sortie et une mêlée à 5 pour Castres, c'est terrible à 4 minutes de la fin de cette première période. Bismarck Duplessis, je peux vous dire qu'il est précis. Il est précis, c'est un lanceur hors pair. Et bien lui aussi, j'ai parlé de l'épine dorsale, lui aussi est en train de
faiblir. Fragile les Montpellierains dans cette première mi-temps. Alors, on a besoin d'un ballon, c'est toujours mieux pour jouer une mêlée là pour Rory Cocotte notamment. Et les Castrets qui sont dans une très belle position. Ah ouais, là je peux vous dire que. Occupez-vous d'introduire le ballon droit. Merci. Jérôme Garcès qui rappelle à l'ordre Rory Cocotte. Oui. Mêlée pour l'instant, stable. La mêlée est bonne. Elle est forte, Montpellierin. Et ça sort. Alex Toulouse qui a ramassé le ballon. Toulouse qui est parti dans le petit côté. C'est parti pour un jeu à une passe, Mathieu. Non, quand on est dans les 22, là, c'est du un bras de fer, une séquence de travail physique avec collision sur collision. Les joueurs qui vont se relever les premiers. Le premier qui va manquer son plaquage, le premier qui va arriver à trouver. Ouais, et je lance, attention là, il n'y a pas d'en avant, ça joue. Avec Tichit encore une fois là face à Cruden. Attention, il faut qu'il se sorte. L'ouvreur de Montpellier, Cocotte, l'axe, peut-être. Il y a Urda Pilieta qui se met en position de drop. Le drop. Ça peut être une solution aussi là, les extérieurs qu'on veut jouer. Dumorat ! Et l'essai ! L'essai de Julien Dumorat en coin ! Quel magnifique travail de l'arrière castré qui est venu s'intercaler sous le regard hagard de Van Cotter. Castres s'envole juste avant la mi-temps. 17 à 6 désormais en attendant la transformation. Julien Dumorat, auteur d'une saison énorme, vient lui aussi de faire la différence alors qu'on revoit ce ballon pas très bien lancé par Bismarck Duplessis qui va amener la mêlée Castres et ensuite cette séquence avec Kombezou qui décale Dumorat, cadrage débordement sur Fulgens Ouedraogo. Dumorat qui a un timing parfait, il s'écarte sur la passe et va battre Ouedraogo qui n'arrive pas à fermer la porte entre lui et Nadolo. Ouedraogo, deuxième meilleur plaqueur du championnat, qui ne peut rien face à Julien Dumorat qui inscrit son 12e essai cette saison, mais celui-là il vaut très cher. Juste avant la mi-temps. Ah ouais Mathieu, on en parlait. Celui-là il vaut très cher. Ça fait 11 points d'avance pour l'instant pour Castres. Tentative de transformation. Benjamin Urda Pilieta. Il restera à peine le temps d'un renvoi. Urda Pilieta qui est énorme, qui transforme cet essai. Castres 19, Montpellier 6, 13 points d'écart à l'avantage du CO. Et les Montpelliérains qui vont entrer à la mi-temps avec le sentiment de ne pas avoir commencé ce match, de ne pas avoir joué encore la finale. Ils sont restés dans le vestiaire, ils sont restés dans le bus. Alors que les Castres, ils sont dans la partie, on l'a vu depuis le début du match, ils sont frais. Renvoi rapidement joué là par Pinard. Il reste une poignée de secondes dans cette première mi-temps. C'est propre ça. Et les Castres qui vont tranquillement dégager ce ballon dans les tribunes. Castres réalise une première mi-temps parfaite. Castres mène 19 à 6. 13 points d'avance grâce à cet essai du Dumorat. Et Fabien, vous le disiez, juste avant la pause, ça fait un bien fou au moral. Là, quand vous rentrez au vestiaire, que vous vous retrouvez dans le silence de ce Stade de France et que vous venez de marquer, ça respire bien. Par contre, de l'autre côté, c'est difficile. Allez, réaction d'abord avec Clémentine et Benjamin Fall. Benjamin, on a l'impression que vous n'êtes pas vraiment rentré dans ce match. Avec Thomas Kombezou, vous avez réussi à prendre le score assez largement dans cette première période. Vous sentez que vous êtes en train de dérégler cette équipe de Montpellier. On ne se trouve pas sur les touches. On fait les en avant, des petites fautes bêtes. Du coup, on leur donne des points. Chaque fois qu'ils viennent, ils scorent. Il va falloir rectifier ça, pardon. Parce que sinon, l'addition va être lourde. Et je ne sais pas si c'est l'enjeu ou quoi qui fait ça. Mais bon, il va falloir qu'on se ressaisisse. Merci. Oui Mathieu. Oui Cédric, allez-y. Oui, je vais enchaîner avec le capitaine de Castres, Rodrigo Capo-Ortega. Scénario idéal pour vous dans cette finale pour le moment, c'est Montpellier 1, vous les faites déjouer dans cette première période. Oui, sincèrement, on a fait un début de match parfait. Écoutez, maintenant il reste 40 minutes à jouer encore. Et bien, on va relayer certains points qu'il faut relayer pour essayer de faire la même entame en deuxième mi-temps. Merci beaucoup. Oui, il faut qu'ils reprennent leur souffle, notamment Capo-Ortega. Castres mène à la mi-temps 19 à 6, 13 points d'avance. On va faire un petit point météo en repassant par la régie à Paris. Et on est bien. Et puis, il y a un élément aussi que personne n'a beaucoup parlé, c'est que
Montpellier n'est pas habitué. Ils ont fait qu'un match et un match plutôt facile la semaine dernière contre Lyon. Ils ne sont pas habitués à faire beaucoup, beaucoup de combats, de durcir d'avoir des matchs durs. Donc il faut qu'on leur propose ça. Il faut qu'on monte encore d'intensité. Je pense que si on est capable de le faire, ce sera encore plus facile pour nous. Merci. Beaucoup de confiance hein, dans le discours de Christophe Furios. Et le coup d'envoi de cette deuxième période donnée. Regardez qui c'est qui monte au ballon. Par Ruda Pilieta. C'est le demi-mêlée Cocotte qui monte au ballon. Premier rideau. Il ne décroche pas. Il est toujours au bord. Là, il va mettre la pression sur le jeu au pied de son vis-à-vis. Mais c'est vrai que Montpellier n'a pas eu à ferrailler en demi-finale avec une victoire assez facile face aux Lyonnais. De leur côté, on l'a rappelé, hein, le parcours de Castres qui est allé gagner à l'extérieur à Toulouse, qui a fait un match énorme dans l'engagement face au Racing. Mais attention, parce que Montpellier, cette saison, c'est la deuxième meilleure attaque du championnat derrière Toulon. C'est une équipe qui est capable de proposer aussi du jeu et ne pas s'en remettre qu'à la puissance de ses avants. Maintenant, Montpellier doit retrouver ses leaders de jeu, à commencer par Juan Pina. Ouais, messieurs. Mais qui a besoin de ses avants. Bon, juste une petite anecdote, puisque ça a mis beaucoup de temps à reprendre, je ne sais pas si vous avez vu, parce que les arbitres ont un peu oublié le chronomètre en fait. On a été les chercher alors que tous les joueurs étaient déjà en place. D'accord. Benjamin Fall est resté au sol sur cette action. Attention, là, Nadolo qui peut se lancer, il a renversé dans un premier temps Armand Baye. Ballon toujours à l'avantage de Montpellier avec Pinard. Willemse qui est servi à hauteur. C'est arrêté. Il n'arrive pas à enchaîner deux temps de jeu avec de la vitesse. Et Montpellierin, sortie de balle qui Franck Cruden va jouer arrêté. Il n'a pas de solution. Pinard. Le renversement. Jesse Mogg sous nombre. Beaucoup de changements de sens de jeu. Ça aussi, c'est un signe en général. Quand on arrive à accélérer le jeu, on garde le sens. Et regardez la bataille au sol, gagnée encore une fois par Castres. Et ce sont les Montpelliérains qui sont pénalisés. Dans le combat, ils ne sont pas invités pour l'instant. Pas de vitesse, ils n'arrivent pas à enchaîner. Ils changent, ils tergiversent. Ils changent le sens du jeu trop souvent. À gauche, à droite. C'est le signe d'une équipe qui ne trouve pas le bon rythme, qui ne trouve pas de solution, qui n'avance pas, se surconsomme dans les zones de ruck. Ne trouve pas la profondeur nécessaire pour jouer ce qui est prévu, ce qui est annoncé. Nadolo qui, sur son 1 contre 1, va au sol. Ah, on parlait de l'ogre face au petit Pousset pour présenter cette finale un peu partout, ce qui agaçait d'ailleurs pas mal les Castrais, parce que Castres est une équipe, encore une fois, on vous le rappelle, qui dispute sa troisième finale en 6 ans, Mathieu. Qui a déjà remporté 4 boucliers. Mathieu. On a trop souvent tendance à penser que Castres est un petit du championnat, ça n'est pas le cas et il le prouve encore ce soir. Et pendant que vous parliez de ces Castres, la touche de Benjamin Darpileta quasiment transformé cette touche en pénale touche pour les Castres, qui sont dominateurs pour le moment dans l'exercice du ballon porté. Précédemment, en première mi-temps, ils ont fait un ballon porté de 40 mètres. Vont-ils récidiver avec cette touche à 6-1? Rallié, début d'alignement, prise de balle impeccable, bonne défense des Montpellierains, mais ce ballon est vite éjecté là. Rallier qui a pu trouver Tomo Epo. Il avance pour l'instant le trois quarts centre du CO. Attention, c'est un maul annoncé par Monsieur Garcès. Du coup, ce sera un ballon rendu aux Montpellierains. Première bonne défense des Montpellierains dans leur 22, qui ne vont pas concéder une pénalité ou bien une mêlée ou bien une touche. Ils vont récupérer grâce à cette défense de Cruden et de Dumoulin sur Tomé Oppo. Cette possession, vous savez que lorsque vous attirez le ballon et qu'il se transforme en molle, lorsque le ballon ne sort pas, ça va au sol, changement de main. Il va falloir assurer côté Montpellierain cette sortie de balle. On a l'impression qu'ils sont sous pression en permanence, les Montpellierains. Vous mettez trop de poids à flexion. Et vous en mettez tellement que vous ne pouvez pas contrôler. Allez, introduction Juan Pinard dans les 22 mètres flexion. Du MHR. Ça va siffler. Ouais, et c'est Castres qui est pénalisé là par Monsieur Garcès. La mêlée est partie en crabe. La mêlée avance dans l'axe. Ouais.
Kötze ici en gros plan international avec l'équipe de France. Daniel Kötze. Micha Narashvili, géorgien au club depuis 2011. Ouais, un des meilleurs piliers gauche du championnat. Hein. Sacré client. Il est arrivé, je me souviens très bien. Stage de début de saison à Saint-Girons chez Eric Béchu. Je ne savais pas si jouer pilier gauche, saut à l'honneur ou pilier droit. Jouer au rugby simplement. Et en deux ans, il arrivait tout le monde. En deux ans, il n'a pas fallu beaucoup de temps pour régler et pour s'imposer. Et on voit ici la défense acharnée des Castrés avec Thomas Combezou qui en a disputé une finale ici. C'était il y a 15 ans en cadet avec Issel. Il avait perdu. Thomas Combezou que vous avez connu aussi à Montpellier. Ouais, 4 ans à Montpellier. Il y a pas mal d'anciens Montpellier là, Toulouse. Il y a Alex Bias qui n'est pas concerné ce soir. Il y a le pilier qui est remplaçant Fanonou. Il y a aussi Robert Eberson qui n'est pas sur la feuille de match. Alors que le point fort de Montpellier depuis deux ans, c'est ça, ce sont les ballons portés, les molles. Eh bien, ils viennent d'échouer une nouvelle fois. Et là, je peux vous dire que dans la tête des Montpelliérains, c'est compliqué. Et les Castrés savent qu'ils tiennent le match. Ils savent qu'ils tiennent le match puisqu'ils viennent de récupérer la possession sur cette touche. Ils viennent de leur casser le molle. Ils tiennent le match. Et ils contrôlent les Montpelliérains, y compris sur leurs points forts. Gros travail ici de Tichy, de Capo Ortega. Il n'y a pas de révolte pour l'instant dans les rangs montpelliérains, on sent pas. Ah, première possession perdue sur lancé. Ouais, et Picamol qui derrière contrôle pas bien cette balle. Ça ralentit un peu les affaires de Montpellier, Juan Pina. La passe n'était pas non plus optimale, hein. J'étais juste devant. Oui, oui, enfin bon. Cruden sous la pression de Gelon. Ballon récupéré, non, en avant commis. Attention, ça peut être profitable. Ah oui, là, à Stein. Grossière faute de Dumoura. La première. Et c'est la première fois aussi que les Montpelliérains utilisent le jeu au pied, Mathieu. Dans l'alternance, il y a une pénalité en cours. Et avantage pour les Montpelliérains. Oh là là, regardez, il y a vraiment de la friture sur la ligne, sur les lancements. Il ne se trouve pas. Incroyable, cette équipe qui a travaillé depuis maintenant plus de 40 semaines, qui a récité souvent son rugby, n'arrive pas à trouver l'équilibre. Et premier changement, messieurs, dans cette finale pour le Castres Olympique. On va changer le talonneur puisque c'est Marc-Antoine Raguet qui va sortir et Kevin Firmin qui va prendre sa place. Marc-Antoine Raguet qui n'était pas le titulaire du poste. On vous rappelle l'histoire, Jody Jenneker qui est l'un des meilleurs talonneurs du championnat. Auteur d'un mauvais geste en match de barrage à Toulouse sur Maxime Médard, a été suspendu, il a manqué derrière le match face au Racing et cette finale. Et du coup, eh ben Kevin Firmin, qui n'aurait probablement pas été sur la feuille ce soir en finale, va disputer plus d'une demi-heure de ce match que les Castrés contrôlent, maîtrisent pour l'instant après 48 minutes de jeu. Avec une mêlée dangereuse à jouer pour les Montpelliérains. Il est à hauteur des 40 mètres, mêlée qui est dominatrice pour le moment, sanctionnée deux fois. Les Castrés, notamment sur introduction montpelliéraine, vont-ils chercher d'abord la pénalité et jouer ensuite l'avantage ou vont-ils jouer le ballon? Et imaginez Fabien, après 48 minutes de jeu dans cette finale, on n'a toujours pas vu Nadolo ballon en main, qui est quand même le deuxième meilleur marqueur du championnat. 19 essais, un monument, un monstre. Une action de 5 mètres où il a chuté face à Amman Baye. Mais ils n'ont pas eu ce ballon d'attaque à jouer véritablement, les Montpelliérains, depuis le début de cette finale. Bougez pas. Pinard derrière sa mêlée va peut-être lancer le jeu avec Dumoulin en premier receveur. Point de fixation créé, la libération est ralentie encore une fois. Ralenti, ça va pas vite, attention. Ils n'arrivent pas à mettre du rythme, ils sont 7 consommés dans ce rôle côté Montpelliérain, sous nombre. Willemse libère cette balle. Cruden qui attaque, qui tente de passer les bras, mais il n'y avait pas de soutien pas à hauteur. Pas d'espace. Van Rensburg, il se pénètre. Il n'a pas ses centres à ses côtés, Cruden. Et la bataille du sol est gagnée par les Castrés. Les ballons sont ralentis toujours. Picamol qui a été saqué. Par Capo Ortega. Un ballon encore une fois perdu. Armand Baye, le jeu au pied dans le dos. Ah, une faute au sol. Ouais, alors c'est Monsieur Cardona qui a signalé ça à Jérôme Garcès. Je crois que c'est Cocotte une fois de plus qui s'est fait sanctionner.
Peut-être un talonnage à la main. Ouais, c'est un cadeau. Parce qu'il n'avait pas de danger. Alors on va peut-être revoir tout cela. En attendant, il y a Van Rensburg, j'ai l'impression, qui est touché hein, côté Montpellier 1, le deuxième ligne. Oui, tout à fait. Sud-africain, bon, il reprend sa place. Et le choix des Montpellierains est fort, ils vont en touche. Ah ouais. Là, normalement, c'est aussi leur point fort. Hein. Plus de 50% de leurs essais proviennent des ballons portés, des pénales touches. C'est un moment crucial dans cette partie. Marqué pour les Montpellierains, ça peut leur donner l'occasion de revenir à 13 points, c'est-à-dire à 6 points. Et ils comptent sur leur point fort, ceux qui depuis 2 ans leur procurent 50% de leurs essais, la pénale touche. Lancé Bismarck Duplessis pour les Montpellierains, une piste de balle assurée par Van Rensburg. Et maintenant ça va travailler. Déroulé, la défense de Castres acharnée. Contient pour l'instant l'avancée des Montpellierains, mais là il y a une position de hors-jeu. Avantage en cours et Montpellier fait l'effort avec Picamol ou Edraogo. Maintenant ça ne profite pas. On va revenir à une pénalité, attention, ça pourrait faire carton. Pas de suite. C'est la première fois qu'ils vont y retourner. Ils vont y retourner, ah, Fabien, les Montpellierains. Ils peuvent pas prendre autre chose qu'une pénale touche après avoir choisi précédemment la pénale touche. Duplessis est allé chercher le ballon, il se met dans le couloir carrément. Alors la faute, Castres, Tichit qui était passé côté Montpellier, n'avait pas droit de plaquer le porteur de balle. Grossière faute, attention, vous l'avez dit Mathieu, ça peut être ouais, ça peut permettre ce match. Ouais. Ça peut permettre surtout à Montpellier de relancer cette finale. Si Montpellier marque. Maintenant à la 51e minute sur cette touche à nouveau, lancé Bismarck Duplessis. Il n'y a pas que la touche, ils sont capables derrière d'enchaîner. Voilà. Oh, la combinaison pour lancer Picamol. Derrière vous allez avoir Villemcé, puis après derrière vous allez avoir Nadolo. C'est déjà une passe. En général, Montpellier, quand il rentre dans les 5 mètres, là aussi. Ouais, mais regardez cette guerre. Pénalité, que font les Castrets là au sol. Pénalité. Ça commence à agacer sérieusement Pinard. Allez, on va jouer dans le dos pour Creden. La diagonale au pied, on tente le coup. 2 contre 1. Il y a Fall, il y a Mog. Fall en déviation pour Mog. Oh là là. Quelle là bonne là défense de David Smith. Et il faut qu'il lâche ce ballon là. Attention, Combezou. Le ballon est toujours là pour Creden. Van Rensburg. Stoppé à 5 mètres de la ligne. Bismarck Duplessis en puissance. Voilà la réaction de Montpellier là, de cette finale. Du jeu à une passe avec Villemcé. Attention, Villemcé. Villemcé qui a 3 joueurs sur le dos. Encore une fois, Jacquet qui se couche sur ce ballon, qui ralentit un peu la libération. Nadolo, ultra puissant ailier de cette équipe de Montpellier. Ah, François Stein. Il envoie les atouts, hein. Tous les atouts, tous les frigos américains de Montpellier. Ouais, ou sud-africains plutôt. Avec Bismarck Duplessis. Face à Tichit. Et avantage en cours toujours pour Montpellier avec Pinard, la passe extérieure, il y a Kélian Galtier qui est là, toujours sur l'avantage hein. Attention Picamol qui essaye d'y aller en force, mais les Castrets ne lâchent rien en défense pour l'instant. Tête des morts de faim héroïque avec Cocotte qui est au ballon. Villemzé va essayer de récupérer, non c'est Pinard qui va éjecter ce ballon au large avec François Stein qui est repris par une énorme défense de Toulouse. Ça chauffe vraiment dans le camp de Castres, mais pour l'instant Castres résiste. Villemzé encore qui s'arrache, topé à 1 mètre. Montpellier s'approche petit à petit de la ligne, attention. Une faute, ouais, faute grossière. Nadolo sous les poteaux. Oh là là. Il a visé la protection là. Le 4 encore. Ah, il va prendre un jaune, les Castres. Il risque de prendre un essai, un jaune derrière cette action. Ouais, moment très important dans cette finale. À 26 minutes de la fin, Juan Pinard qui va faire jouer encore une fois là sur les extérieurs. Fall, ça ne profite pas. Il va y avoir un carton jaune, ah ouais, très probablement pour Loïc Jacquet. Alors, on écoute Monsieur Garcès avec le capitaine Capo Ortega. Ça se chauffe.
Je vais vous expliquer. On est proche en ligne de but. Je laisse avantage sur avantage. Il y a beaucoup trop de fautes. Hein. Notamment le 4 deux fois au sol qui joue la mer. D'accord. Il y a le 9, il y a le 10 qui est hors-jeu. D'accord. Donc le 4. Hein. 4. Carton jaune pour Loïc Jacquet. Il y a au moins 6 fautes. Trop de fautes au sol. Répétition de fautes, proche en ligne de but. Carton. Discipline. Alors, on le pressentait, Fabien, sous la pression montpelliéraine, là, les castrés, trop souvent la faute. La question qui se pose maintenant, c'est les montpelliéraines, la mêlée, ils sont un de plus, ils sont dominateurs dans l'exercice, ou prendre les 3 points, profiter du carton jaune, ils ont 10 minutes à jouer en surnombre, il y a Cotter qui demande la mêlée. Ouais, mais il va être écouté, évidemment, sous les poteaux à 5 mètres. Les Montpellierains en supériorité numérique, 8 contre 7 sur cette mêlée après la sortie sur carton jaune de Loïc Jacquet. Moment très important dans cette finale. Castres est à 14 pour 10 minutes et Montpellier est en train de se rebeller. Ah là, c'est un moment clé dans ce match. 13 points d'écart, carton jaune. Au final, ça pèse un carton jaune, je peux vous dire. Ça va peser sur les 20 dernières minutes, les crampes, la fraîcheur mentale et physique, la mêlée dominatrice. Oh, regardez cet effort-là du paquet de Montpellier. Ça va finir par un essai de pénalité. Ouais. Et cette pénalité, 7 points automatiques et cette finale qui est relancée. Castres 19, Montpellier 13, 6 points d'écart désormais, mais Montpellier à 15 contre 14 pendant 9 minutes encore. Voilà, le bras de fer est véritablement lancé maintenant. La mêlée impressionnante, la mêlée montpelliéraine qui a marché sur la mêlée castraise et ça a des effets, pas uniquement au tableau d'affichage, mais je peux vous dire aussi dans le rapport de force qu'imposaient les castrés. Il va falloir qu'ils soient costauds pour maintenant supporter ce sous-nombre pendant 8 minutes. Malheureusement, trop de fautes. Sur la même action, il y en a 10. Carrément 10. 10 fautes annoncées par l'arbitre sur la même action. Ça fait beaucoup. Effectivement, ça mérite bien un jaune. C'est quasiment le nombre de fautes dans un match de haut niveau. Là, ils ont fait ça en inaction. Allez, le renvoi. Pied gauche toujours. Orda Pilieta. Toujours sur Picamol pour l'enfermer dans son coin, dans son angle. Et Louis Picamol qui a été pris, coffré par deux joueurs castrés. Très belle défense. Bon annoncé. Combezou et Babillot. Si ce ballon ne sort pas, ce sera Mélé Castres. Oh, la réaction de Combezou. Il fait une grosse finale, hein, Combezou en défense. Très grosse finale. Vous allez à votre place, C'est pas le plus costaud des trois quarts. Combezou, il rend 14 kilos à son vis-à-vis aujourd'hui et près de 10 cm, mais comme on dit, il s'y file. Ah, c'est un joueur qui a une activité hors norme. C'est une sorte de marathonien d'activité. Il a une caisse. C'est sa qualité première, de la première minute à la dernière minute. Il est actif. Alors les castrés vont devoir compenser l'absence déjà de seconde ligne. Mêlée. Donc comment vont-ils s'organiser? C'est Tommy Oppo qui est passé au poste de troisième ligne à gauche et c'est Gelon qui est passé en seconde ligne. Introduction cocotte sur la ligne des 22 mètres. On va vite évacuer ce ballon avec Toulouse pour Armand Baye. Pris par Truden sur la ligne des 22 mètres. On est entré dans les 22 mètres de Montpellier maintenant. Cocotte, attention à la limite de l'en avant. Le drop. Ouais, on a Pilieta dans l'axe. Il a pris beaucoup de profondeur. Il va être servi dans un second temps peut-être. Cocotte qui a fait travailler ses avants. Et Orda Pilieta est toujours resté dans l'axe. Il est servi maintenant. Le drop de l'Argentin. Orda Pilieta. Il était important ce drop. Alors, là, il n'est pas passé. Non, il n'est pas passé, mais je peux vous dire que c'était un moment. Là, on est sur des actions. Là. Les buteurs, les marqueurs ont à chaque frappe. Et là, il va sauter légèrement à gauche. Chassé par Juan Pinard. Hein. Chassé par Juan Pinard qui l'oblige à accélérer sa frappe. Il ne peut pas s'aligner sur son pied gauche. Le renvoi effectué par Pinard. Les choses s'accélèrent dans cette finale avec Montpellier qui court toujours après le score mais qui est en supériorité numérique pendant encore 6 minutes. Cocotte qui se fait la malle. La spéciale au Cocotte. La fin du facteur. Oui,
voyez quelque chose, vous? Le relais de Firmin, le talonneur remplaçant. Cocotte à nouveau avec Ourda Pilieta, il a du monde intérieur et notamment Armand Bail. Ouais, pas cachement qu'il doit être Ouedraogo qui laisse 4-5 mètres à Bail. Et Duplessis qui a perdu ses appuis là, il était au contest. Il a au moins eu le mérite de ralentir la sortie de balle. Firmin avec Babillot face à Nadolo. Babillot qui rafute, qui avance. Cocotte pour Capo Ortega qui est sur sa course en angle, sur son épaule intérieure, a fait la différence. Combezou, encore lui. Ah, il est partout comme Bezou. Il joue troisième ligne. Et attention là, Duplessis sur ses appuis. Cocotte avec Toulou qui remporte son duel. Le ballon toujours pour Castres. Énorme séquence là des Castrés. Ourda Pilieta qui conserve le ballon. Serre Combezou. Combezou qui a bien fait de garder cette balle parce qu'extérieur. Tout était coupé, bonne fermeture défensive de Montpellier. Je pensais qu'il allait claquer le drop, on a pu l'état, il avait du temps pour se placer. Bonne course encore de Capo Ortega qui permet à son équipe d'avancer sans consommer trop de soutien. Ouais, grosse séquence des Castres. Le drop. En puissance, ça avance, ça continue d'avancer. Avec Tichit en position de demi-mêlée. Pris par Juan Pinar, les déblayages sont efficaces pour l'instant. Cocotte pénalité. À la manœuvre. Oh, la pénalité. Là, ils vont jouer, ils vont essayer de gagner du temps. Ils ne vont pas prendre la pénalité de suite. Faire courir la montre. 4 minutes encore à 14. Ouais, et le renversement pour David Smith qui a été reçu là. Cocotte à nouveau pour Ourda Pilieta dans le fermé. Ourda Pilieta qui a résisté au premier plaquage de Gianni Duplessis. Cocotte à nouveau pour Tichit face à Nariashvili. Cocotte qui vraiment est à la manœuvre là, distribue parfaitement bien le jeu. Et là, Duplessis, il faut qu'il lâche ce ballon. Cocotte, David Smith sur les appuis. A failli faire l'intérieur à Stein. Intervention de Monsieur Garcès, on revient à la pénalité. Remarquable bien sous les poteaux par les Castrés qui ont fait courir la montre pendant plus de 2 minutes pour essayer de faire durer, de faire couler le temps. N'oublions pas qu'il joue à 14, encore 3 minutes 29. La pénalité, ça donnera 1 minute de plus. Oui, et surtout, Fabien, ça donnera 3 points de plus. Et en plus, mais il savait qu'il l'avait. Ouais, mais 22-13, c'est 9 points d'avance, c'est pas la même histoire. Il savait qu'il l'avait sous les poteaux, mais ils ont gagné 3 minutes avec cette séquence. Quelle énergie. Il va falloir coacher. Moi, je serais Montpellier, hein. Je tournerai, je coacherai énormément. Faire entrer les joueurs qui vont peut-être apporter des solutions. Du côté de Montpellier, il y a 3 joueurs qui vont entrer en jeu dans quelques instants. Ce sera les premiers changements du côté de Montpellier. Et ben voilà, Vian Cotter sur la même ligne que vous, Fabien. Et en attendant, Ourda Pilieta, alors que Loïc Jacquet se prépare pour le Tour de France, en attendant de purger sa suspension, il lui reste encore 3 minutes 30. Ourda Pilieta, sous les poteaux, va se faire un plaisir de rajouter 3 points. On revoit les ici. Cette très longue séquence imposée par Castres qui encore une fois a eu cette capacité pour l'instant dans cette finale de conserver les ballons au contact, de continuer d'avancer, d'imprimer son rythme finalement à Montpellier. Je peux vous dire, il va prendre le temps, il a 46 secondes à aller au bout, ce qui va amener ensuite le renvoi presque 2 minutes 30. Voilà, c'est que si vous parlez trop vite sans avoir appuyé, il va prendre le temps, il va prendre le temps. Protocole commotion pour le second de ligne. Ouais, je crois que c'est Van Rensburg hein, qui depuis tout à l'heure est pas très bien. Ouais. Qui va donc céder sa place. Encore 15 secondes. 13. Ouais, tout à fait à haut et à temps. Ouais. 10. Va entrer en jeu pour les Montpelliérains. Il va aller jusqu'au bout. Ourda Pilieta. Ne vous inquiétez pas, tapez 3, 2, 1, c'est parti. Ça fait 3 points de plus. Castres 22, Montpellier 13. 9 points d'avance pour le CO. À moins de 20 minutes de la fin de cette finale.
Avantage Théo et du changement pagaille, Clémentine. Allez, du côté de Montpellier, je vous le disais, ce sont les premiers changements pour Verne Cotter. Vous avez Gianni Duplessis, le pilier droit, qui laisse sa place à David Koubriashvili, qui a été champion d'Europe avec le RCT. Vous avez Kélian Galtier, le troisième ligne, qui lui laisse sa place à Julien Bardi, champion de France avec l'ASM l'an passé. Et puis vous avez Jesse Mogg, l'arrière, qui va lui laisser sa place à Henri Immelmann, le trois quarts polyvalent sud-africain. Et je vais enchaîner, Mathieu, tout de suite, parce qu'effectivement du côté de Castres, deux changements pour le moment. Daniel Kotze qui vient de céder sa place à Fahanoudou, et puis Vaipoulou également qui est rentré à la place d'Alex Toulou. Oui, il y a Mahanonou à Toulon et il y a Fahanoudou à Castres, à ne pas confondre. Un seul Montpellier, hein, pilier droit qui peut faire du bien à cette équipe pendant 20 minutes. Et il est lourd, il est puissant, il a 20 minutes dans les pattes, il peut bien terminer ce match, surtout que Castres était dominé en mêlée. Et bonjour au pied ici de Juan Pinard, alors que le dernier appel pour élire l'homme du match Société Générale sur notre site francetvsport.fr. Vous le savez, un voyage à gagner pour la prochaine Coupe du Monde en 2019 au Japon. Et deux places pour aller assister au match, au crunch entre l'Angleterre et la France, évidemment. Ce sera un match déterminant dans le parcours des hommes de Jacques Brunel dans cette Coupe du Monde, dans une poule extrêmement relevée. Avec les Pumas argentins aussi. Ça c'est propre, ça aussi c'est propre. Point de conquête, sécurise le ballon. Là, ils font l'essentiel de le basique, les Castres, c'est propre, c'est bien contrôlé. Cocotte à la manœuvre, son jeu au pied droit qui va faire respirer son équipe. Ah, il va peut-être. Ah, il a voulu la jouer rapidement, Benjamin Fall. Super. À un moment donné, Montpellier va devoir essayer d'enflammer un peu la finale. Hein, superbe jeu au pied droit de sortie de camp de Cocotte. Elle est complètement fermée dans ses 5 mètres. Il a fait reculer le Montpellier-Rennes de 45 mètres. Je peux vous dire qu'il fait respirer ses avants. Et pendant ce temps, on est rentré dans la dernière minute. Et pendant ces 10 minutes, figurez-vous que Montpellier n'a pas marqué de points alors que Castres a marqué 3 points, 3-0 à 14. Pour les Castrés. Et une information à Fabien, puisque Loïc Jacquet ne reviendra pas tout à l'heure à la fin de son carton, c'est Christophe Sanson qui reviendra à sa place. Bah, ils ont pris un essai de pénalité, Fabien, quand même. Hein. Oui, mais ils étaient à 15 lorsqu'ils ont pris l'essai de pénalité. Non, il a pris l'essai de pénalité à 15 sur la mêlée, 14. Ouais. Ouais. Le mol, la spécialité Montpellier-Rennes. En attendant, Montpellier doit courir toujours après le score. 9 points de retard, il faut marquer deux fois. Intervention de monsieur Garcès. En avant Montpellier-Rennes. Incroyable. En avant de Bardi, je crois. Oh, le nombre de ballons qu'ils ont gaspillé les Montpellier-Rennes à cette finale. Et Verne Cotter qui ne touche pas à sa charnière, pourtant pas dans le coup hein, ce soir. Eh ben, et voilà, Mathieu. Je suis d'accord, mais vous avez vu la charnière qui l'a dit, il va la sortir. D'accord. Sur le papier, et pas que sur le papier d'ailleurs. Et le Castres Olympique est à nouveau à 15 hein, avec le retour, l'entrée sur le terrain de Christophe Sanson. Ça veut dire que s'il doit toucher à sa charnière, Mathieu, c'est faire entrer le jeune Enzo Sanga à la mêlée. Oui, il y a 100, je suis d'accord, il y a 10, 138 6. Sélections entre Pinard, 88 sélections avec les Springboks, Crouden, 50 sélections avec les Blacks. Mais quelques titres champion du monde. D'accord, mais les deux ce soir ne sont pas dans le coup. Ah, mais il ne sortira pas. C'est les deux joueurs qui l'ont fait la saison, c'est les deux joueurs qui l'ont porté à ce niveau-là. Comme quoi ça arrive à tout le monde, hein. Même au meilleur. Et pourtant il a travaillé aussi, on l'a dit à début de match, sur la préparation mentale avec un spécialiste qui a fait ses preuves. Et il n'y a pas de vérité. Les Castres sont mieux aujourd'hui, comme ils l'ont été durant ces phases finales. Un quart d'heure encore, Montpellier peut-il renverser le cours de cette finale? En attendant, ce sont les Castres toujours en action avec Vaipoulou. Cocotte maintenant pour Caportega, 37 ans, il fait une finale monumentale. Oh, c'est bien fait ça. Ça c'est bien fait. C'est très bien fait. C'est propre. On sort du camp, on a perdu le duel en l'air, mais le jeu est toujours dans les 15 mètres. Tous les défenseurs Castres sont en place. Et on est toujours dans le camp de Montpellier avec Fulgence Ouedraogo. Mise au sol, Juan Pinard, jeu au pied annoncé. Ouais, c'est l'alternance qu'ils n'ont pas eu en première mi-temps, mais. Est-il précis ce jeu au pied? Il est un peu court, il est dévié dans le camp de Montpellier. Dumoulin, oh ça c'est un bon ballon. Dumoulin qui perce à plein champ. Tout de suite Cocotte qui a fait l'effort de... Non, il est sanctionné. J'avais cru qu'il était bien passé par l'axe. Vous êtes au sol.
Il fait des fautes, Cocotte. Il fait des fautes, il est bon, mais il fait des fautes. Il coûte trop cher à son équipe. 9 points d'avance qui vont se transformer non, sûrement c'est clair. En 6 points. Il est au sol, il joue le ballon. Il faudrait revoir quand même ce ralenti alors que... Il y a un Montpellier au sol, mais j'avoue, Stein, je ne peux pas le voir d'ici. Je crois que c'est François Stein. Ah, c'est Dumoulin, mais ça me fait. Ah non, c'est Dumoulin, oui. Ouais. Je vois pas son casque. C'est Dumoulin qui est touché là sur cette action alors que... Ah, Joe Tomane, du coup, s'échauffe du côté de Montpellier pour le remplacer peut-être. Le déblayage qu'il y a eu là... Je ne sais pas si c'est pas un bleu qu'il a mis. S'ils arrivent à 3 ou 4. Ouais, là, c'est un bleu. S'il n'y a qu'un blanc, c'est une. On revoit l'action de Dumoulin qui a choisi par un crochet intérieur de rentrer à la défense, le plaquage et le grattage de Cocotte qui va au sol. Ouais, il perd ses appuis en fait. Et qui gratte le ballon, c'est grossier, elle est grossière sa faute. Ouais, parce qu'il était rentré dans l'axe, hein. Il avait le droit de jouer ce ballon, mais il a perdu ses appuis. Du coup, c'est une pénalité. Logique pour les Montpelliérains. Dumoulin va reprendre sa place. Cotter, les sourcils froncés toujours. La force des Montpelliérains, elle est quand même là, Mathieu. Depuis le début du match, on dit qu'ils ne sont pas dans la partie. On dit qu'ils ne sont pas dans le match. Mais si Juan Pina réussit ce jeu au pied, eh bien, il reste 25 minutes à jouer. Ils n'ont que 6 points de retard sans avoir commencé leur match. Alors que les Castrés ont tout donné. Donc attention, attention à ce dernier quart d'heure, un quart d'heure à jouer. Bon, ce n'est pas un grand cru ce Pinard 2018, en finale de top 14. Nouvel échec pour le buteur montpelliérain. Ça commence à faire beaucoup là. Ça fait trop en finale. Ils sont à peine à 50% de réussite alors qu'en face c'est 100%. C'est trop. On a toutes les données, toutes les statistiques. Ça fait trop. Là, il y a 9 points d'écart. C'est 9 points ratés au pied. Par les Montpelliérains. Quand vous faites des fautes évidentes comme ça, ne c'est pas fait de parler. Après, et 3 pour François Stein. Au sol. Et le temps presse maintenant pour Montpellier. Moins de 13 minutes à jouer. Et évidemment, les Castrés, avec beaucoup de malice, font tourner le chronomètre. Alors, des changements à venir peut-être. Non, alors en fait, il y a un protocole commission qui a été demandé par le médecin indépendant. Je pense que ça va concerner Dumoulin. Ouais, ouais. Alors là, ils ont revu en fait les vidéos. On vous rappelle, il y a des médecins indépendants, une commission, que ce soit la fédération ou la ligue, et qui revisionnent les images et qui demandent donc un protocole commotion dans ces cas-là. Et le médecin du jour est Thierry Armurel, Mathieu. Ouais, ancien médecin de l'équipe de France. L'équipe de France que Fabien Gatien m'a connu d'ailleurs. M'a accompagné durant quasiment 14 ans. Et alors que ces petits moments aussi, ces coupures de match, à mon avis, bénéficient plutôt aux Castrés qu'aux Montpellierains qui n'arrivent pas à mettre le tempo. Sur ce match, ça va être encore Yurda Pileta qui va se coller. Il y a une faute. Le ballon récupéré par Picamol, mais il y avait une faute grossière de Cocotte à la réception de ce coup de pied. Fulgence Ouédraogo, Pinard qui libère maintenant. Ce sont les Montpelliérains avec Oeata qui entre dans les 22 mètres. Ils sont là, les Montpelliérains, ils sont là. Ils ont récupéré le ballon sur ce jeu au pied de pression. Picamol, attention. Ouais, mais là, il n'y a rien. Il y a des problèmes dans l'organisation du jeu. Ils vont se retrouver en sous-nombre, en bout de ligne. Et Cruden, il n'a aucun espace pour manœuvrer. Il est dangereux pourtant. Il est dangereux, mais les Castrés montent plus vite, ferment plus vite les portes. Restez 7. Pinard à nouveau avec Willemse qui essaye de franchir, mais la défense est hermétique. François Stein, regardez, il a deux joueurs, il n'avance pas. Deux joueurs sur le dos. Mais là, je sens que les Montpelliérains sont en train de se mettre en place. Même s'ils ne cassent pas franchement la défense, ils sont en train d'user par leur physique. Mais je peux vous dire que ça ne s'échappe pas en face. Hein. Castres plaque à la tour de bras. Regardez un peu le travail. Pinard et Montpellier.
ne franchit pas. Du coup, Cruden joue au pied de l'alternance. Touche à 5 mètres trouvé, mais ballon rendu. C'est mal joué. C'est mal joué. D'ailleurs, côté, on n'est pas d'accord. Il faut tenir le ballon dans cette zone-là parce que là, tu casses le rythme, tu redonnes une minute de temps au Castres pour reprendre la possession. Même si tu les contiens dans leur camp, ça montre aussi le peu de solutions que Cruden a à sa disposition. Nouveau changement, Mathieu, pour Castres, vous le voyez, puisque c'est Florian Villarreal qui rentre à la place du centre, Tom Wopo. On aura fait des phases finales avec Castres, fantastique, hein. Tom Wopo, notamment face au Racing. Allez, lancé pour Firmin. Une prise de balle parfaite de Sanson. Développé le premier socle, donc de ce Montpellierain. Pénalité, c'est bien fait de la part de Castres. Contrôle, reprend le contrôle du jeu. Ça sent bon là. À 9, ça sent bon pour lui. 9 points d'avance à 10 minutes de la fin pour le CO. Même si ça se remonte vite, 9 points, mais jusqu'à présent, on a l'impression qu'il n'y a qu'une équipe sur le terrain, c'est incroyable. Des crampes pour Anthony Gelon. Magnifique joueur, jeune joueur, qui est en train de réaliser peut-être son rêve, parce qu'évidemment, quand on est joueur de rugby, aller toucher un bouclier de Brennus. Ça touche au rêve, ça touche à l'éducation, ça touche à ce qu'on a vu rentrer le bouclier tout à l'heure dans le stade. Je peux vous dire que ça donne des frissons, ça rappelle des souvenirs douloureux, mais pour ressentir juste la victoire, pour pouvoir toucher ce bouclier, on est prêt à tout donner, on est prêt à tout sacrifier. Et en parlant de souvenirs, Fabien, j'en profite parce que demain au Stade Jean Bouin, des anciens du Stade Français joueront contre une équipe avec des vétérans pour fêter le premier titre il y a 20 ans, et c'est le trophée Thierry Gilardi, à qui l'on pense souvent, qui était vice-président du Stade Français à cette époque. Qui est notre président en avant de Cocotte. Et Anthony Gelon. C'est Steve Maffi qui est en face à face. Oh, attention à cette faute. Que vont-ils faire, les Montpellierains? 9 points à remonter. Vont-ils chercher la pénale touche? Vont-ils taper au poteau? Il reste 10 minutes à jouer. Le match n'est pas terminé, Mathieu. Le match n'est pas terminé. Non, mais Montpellier doit marquer 2 fois en 10 minutes. Donc Pinard choisit l'option de la pénale touche. C'est pas une bonne touche trouvée. Pas précis. Vous savez la différence entre la touche à 5 mètres et la touche à 15 mètres, elle est énorme. Elle est énorme. Alors, beaucoup de bruit dans le stade avec les supporters des deux camps qui donnent de la voix. Ballon capté par Louis Picamol. Ils sont bien construits, Montpellier. Attention, ils sont bien construits. Ils sont plus bas que les Castrés qui sont en trop haut. Ils ont réussi à se restructurer. Ils sont très bas. Ça avance, attention, parce que le porteur de balle, il est au cœur là. Il est toujours sur le terrain. Et bonne défense finalement de Castres. Quelle défense héroïque des Castrés qui ont choisi de défendre, de pousser le ballon porté vers la touche. Ils n'ont pas pu s'extraire de cette pression extérieure des Castrés pour venir vers les 15 mètres dans ce ballon porté. Et là, il ne faut pas trembler. Hein. Il faut pas trembler. Jusqu'à présent, il était précis. Précis, Firmin. Lui qui revient de blessure. Ouais, tout à l'heure, on a vu cette balle captée parfaitement par Sanson. Ce sont toujours des moments très importants là, dans une fin de match. Ça montre aussi la sérénité d'une équipe. Et rebelote. La même. Sanson capte cette balle. Ballon porté, enclenché. Bonne défense de Montpellier, mais le ballon est là. Il est conservé proprement. Et Cocotte, là, le ballon. Avec beaucoup de calme là, lui aussi. Il va prendre le pied parce que l'appui d'État est à plat, donc il va prendre le pied. Ce coup-ci, ça va être un pied droit. Derrière, les gars. Derrière. Il y a l'appui d'État qui le couvre au cas où il serait contré. Oh, qu'il est bien tapé ce jeu de pied. Oh, qu'il est bien tapé. Oh là là. La différence entre la précision des artilleurs castrés, notamment Cocotte, et l'appui d'État avec les Montpellierains, elle explique aussi.
le résultat, on explique que le score. Changement, Cédric. Nouveau changement pour le Castres Olympique, puisque c'est Antoine Tichit, le pilier de Castres, qui sort. Et c'est Tudor Strohé, le numéro 17, qui prend sa place. Il est mort, Tichit, il a des crampes, il a tout donné. Il a tout donné, le joueur originaire de Gaillac. Bon lancé, Bismarck Duplessis. Nadolo positionné en premier centre, mais regardez, pas de vitesse. Ça n'avance pas. Quelle défense quand même de cette équipe de Castres, héroïque. Regardez encore cette montée, il s'est assommé sur Stein, mais il continue de plaquer là, Florian Vialel. Pinard relève ce ballon, il n'y a pas de vitesse. Montpellier avec son jeu minimaliste ce soir, son jeu à une passe ne franchit pas. Tomane maintenant face à Combezou qui s'accroche. Pinard à nouveau sur Willemse. Restez. Cruden, retour intérieur, ça c'est bien fait. Là, mais ça revient toujours. Himmelmann pris. Quand il trouve des espaces, soit des retours intérieurs, ça revient toujours côté Castres. Ça revient toujours. Oh, ça commence à sentir très mauvais pour Bismarck Duplessis et Montpellier. En revanche, Castres héroïque en défense, regardez. Pierre Bérard, Alex Bias, les coiffeurs, ceux qui sont en costume le soir d'une finale, mais qui poussent derrière leurs partenaires, leurs coéquipiers, qui vivent à 200% cette finale. Messieurs, simplement, Alexandre Dumoulin ne reviendra pas sur le terrain. Il n'a pas satisfait au protocole commotion. Ouais, donc Himmelmann va rester pour discuter. C'est Joe Tomane, oui. Et Tomane, oui, pardon. On va discuter les 6 dernières minutes. Oh, cette image, elle est très forte. Verne Cotter, le regard sombre. Et il en a perdu des finales avec Clermont-Ferrand. Il sait, il connaît le scénario, il sait. Il connaît la différence entre le scénario d'une finale qu'on est en train de lâcher et son équipe. Eh bien, elle n'a pas pris le match par le bon bout, elle n'est pas rentrée dans ce match. Et Cocotte va sortir, Cédric. Oui, effectivement, remplacé par Rado immédiatement, poste pour poste. Rado. Non, Cédric, moi quand je dis Rado, Mathieu, il m'engueule. Ouais, il faut reprendre. On le fait en entier, Cédric Baudou. Alors, vous voulez que je fasse tout le changement? René Cocotte donc sort et cède sa place donc à Ludovic Radoslavljevic. Quel talent, bravo. Et Vaipoulou lui part derrière cette mêlée, il est allé très bon à jouer. Dumora pour Armand Baye à la course. Baye dans le couloir des 5 mètres. Quelle magnifique remontée de balle des Castres encore une fois. Radoslavljevic en est sur un avantage. Castres est en train de tuer cette finale sur les extérieurs peut-être avec Firmin. Lorsqué comme un frelon dans la défense de Montpellier. Castres accélère. Combezou à 1 mètre de la ligne. C'est le Brennus au bout pour les Castres. Radoslavljevic, Ortega, Cap Ortega comme un symbole. Ah, c'est le ballon sur à gauche en deux passes. Le capitaine stoppé sur la ligne. Chute de Monsieur Garcés dans le but. C'est claqué le boulot. Il y a tout sur cette action. Quelle action de Castres! Essai de Castres à 5 minutes de la fin. Le CO qui plie cette finale sur un contre de 80 mètres. Quelle action du CO! Magnifique! Essai de Mafi. Quelle rentrée de Mafi. À l'origine de cette action avec une 89 d'école. Lancer cette action dans le couloir de 15 mètres et c'est lui qui va terminer le boulot. Et c'est mérité, amplement mérité pour cette équipe de Castres qui fait une finale de rêve ce soir au Stade de France alors que Montpellier est resté parfait. Scotché, regardez Juan Pinard, il a le regard dans le vide. Il sait que ses coups de pied aussi ont mal lancé son équipe dans cette finale. C'est clair. Connaît la responsabilité de ses échecs ce soir. En face, il y a eu cet homme-là, lui, Urda Piglietta. 100% de réussite. Formidable animateur du jeu castrais. D'une équipe qui, imaginez un peu, aura réussi à aller s'imposer à Toulouse, à battre le Racing et à battre Montpellier ce soir. Le premier de la saison régulière. Verne Cotter n'en croit pas ses yeux. Où est l'équipe qui a dominé de la tête et des épaules cette saison régulière? C'est aussi ça, le charme des phases finales d'une finale de championnat. Et cet essai est transformé par Urda Piglietta,
Castres 29, Montpellier 13, c'est plié. Castres va succéder à Clermont. Renvoi court de Pinard et Fabien, on pourra en débattre toute la nuit. Mais moi, je pense qu'il aurait fallu changer la charnière de Montpellier ce soir. C'est vrai que c'est parfois des stratégies qui fonctionnent lorsque le charnière patine. Mais on ne sort pas Crudin ni Pinard facilement, même s'ils sont en échec. On se dit qu'ils sont capables de revenir dans le match, on se dit qu'ils sont capables de... Et alors lui, ce petit bonhomme-là, Urda Piglietta, 1m76, 76 kilos, dans un rugby de mammouth, il fait une finale hallucinante. Et une fin de saison avec Castres extraordinaire. Radoslav Lévitch, la chandelle. Quelle aventure pour cette équipe de Castres, sixième, qui va devenir, il va falloir que je vérifie ça, mais je crois que cette équipe va devenir... championne de France, c'est la première fois qu'une équipe qui a terminé 6e, c'est-à-dire barragiste à l'extérieur, va au bout d'une aventure, va chercher le bouclier de Brennus. En finale, c'est arrivé, notamment à Montpellier en 2011, mais j'ai remporté le titre. Effectivement, Mathieu. Quel exploit. Qui aurait pu miser sur Castres il y a de cela encore un mois, dans ce top 14 qui a été extrêmement serré, une lutte acharnée. Nadolo prend ce ballon pour le baroud d'honneur des Montpelliérains qui seront passés à travers ce soir. Picamol. Cruden avec François Stein. Pris. Qui recule, fait du travers. Il joue seul, surtout il joue seul François Stein. C'est pas l'image de ces Montpelliérains qui n'ont jamais trouvé. Ils perdent le ballon. Encore une fois, Combezou la Chistera. Pour Radoslav Jevic qui a pu trouver le soutien de Mafi, on est sur un avantage en cours. Et Castres qui jusqu'au bout va enfoncer le clou. Là, les Montpelliérains ont la tête au fond du faitout et Castres continue de jouer avec Farah Nounou. Radoslav Jevic, Babillo pour Smith. En avant, non, de Tomane, que dit Monsieur Garcès. Ouais, pénalité en avant, repris devant. Et là c'est cuit, le sourire de Christophe Furios qui peut aller féliciter tout son staff. Le masque de Moed Altrad, un homme dont on a beaucoup parlé cette saison. Homme très influent dans le rugby aujourd'hui et qui pour la deuxième fois, enfin c'était pas lui le président à l'époque en 2011, mais... C'était Nicolin, le fils de Louis Nicolin, Olivier. Mais en tout cas, Montpellier pour la deuxième fois va échouer en finale. Le masque des joueurs de Montpellier, c'est fait. Castres succède à Clermont. Castres, champion de France 2018, comme il y a 5 ans. Cette équipe a déjoué tous les pronostics jusqu'au bout. Tombeur de Toulouse, du Racing, le numéro 2 de la saison régulière, et de Montpellier, le leader incontesté avant cette phase finale. Castres a réussi l'exploit ce soir de battre Montpellier. De 16 points, 29 à 13, avec du jeu Fabien, parce qu'on a beaucoup parlé de cette finale en disant que ce serait un match d'avant, un énorme combat, mais il n'y a pas eu que ça. Il faut rendre hommage à l'arbitre, bien sûr, M. Garcès, qui a su, dès le coup d'envoi, réguler les ardeurs des défenseurs notamment et juger de manière positive le jeu au sol, ce qui a permis, Mathieu, vous l'avez dit, aux acteurs de produire un joli match, une jolie finale avec... Beaucoup de rugby. Cinquième bouclier de Brennus pour les Castrais, on vous le disait, qui revenait en finale pour la troisième fois en 6 ans. Et bien ça fait 2 boucliers de Brennus en 6 ans. C'est tout simplement l'équipe qui aura remporté le plus de titres de champion sur les 6 dernières années. On aurait pu avoir un champion différent ce soir. Inédit, Montpellier, mais les larmes de Louis Picamol, le capitaine. Et je pense aussi à Wedrogo Fufu qui était venu perdre ici face à Toulouse de 15 à 10 en 2011. Il y avait Micha aussi. Non, Micha ne jouait pas cette année-là. Et il a l'air dévasté. Ah ouais. Louis Picamol, le président Moed Altrad également. Ah, c'est violent. C'est beau d'aller en finale, mais la perte, c'est violent.
Pierre Bérard, ancien Montpellierain. C'est Montpellierain formé à Montpellier. Ouais. Qui ne restera pas à Castres à la fin de la saison. Oui, oui, c'est vrai. Je suis avec Anthony Gelon. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous ressentez? J'imagine que bon, quand on est un jeune joueur, c'est un rêve de remporter le Brennus. Dites-nous ce que vous ressentez. Oui, c'est sûr. Première finale, 22 ans. On remporte ce Brennus en plus d'une telle manière que franchement, rien à dire. On les a battus sur le combat, ce qu'on s'était dit toute la semaine. Et ce qu'a fait l'équipe tout le long de ces phases finales, c'est énorme. Est-ce que quand vous rentrez au vestiaire, vous pensiez avoir un scénario aussi idéal que ça? Parce que c'est vrai que vous les faites déjouer, vous les dominez énormément en première période. Première mi-temps, on les a fait déjouer complètement, on est allé jouer chez eux. Et c'est qui nous a fait jouer chez eux et pouvoir marquer des points assez facilement. Parlez-nous de ce groupe de Castres qu'on ne disait pas favori ce soir. On pensait que vous alliez être emporté par la puissance des Montpellierains. On n'était pas favori contre Toulouse, ni contre le Racing, ni contre Montpellier, mais... À la vaillance, avec un groupe comme ça, on a gagné ces matchs et c'est énorme. Bon, ce soir, grosse fête. Ah oui, c'est sûr. Oui, là, il va y avoir une énorme fête. On va retrouver l'homme du match, sans doute ce soir, de cette finale, Urda Pilieta, en compagnie de Clémentine. Benjamin. Oui, exactement. Je suis avec Benjamin. Vous avez été élu homme du match d'abord. Félicitations d'avoir gagné. Vous avez déjoué tous les pronostics. Personne ne misait sur vous avant cette finale où vous disiez que le MHR était Terminator. C'était vous ce soir, Terminator. Oui, c'est quoi? Moi, c'est pas moi l'homme du match. L'homme du match, c'est les savants. Pour moi, ils ont fait un travail énorme contre cette équipe de Montpellier. Très costaud, donc je suis très très fier de notre équipe, de mes copains, parce qu'on n'a pas de star, mais on a un cœur énorme et ça c'est impressionnant, moi j'aime beaucoup ça. Vous êtes très ému? Oui, bien sûr, parce que c'est un rêve de petit, et après j'ai mon frère dans l'eau qui me donne beaucoup de force et je pense beaucoup à lui dans ce moment-là. Alors vous allez avoir un petit prix, même si c'est quand même vous l'homme du match, même si vous dites que non. C'est Vianney qui est un chanteur français qui va vous remettre ce prix. Je vais faire une petite question avec Vianney. On m'a dit que vous étiez très fan de rugby. Voilà, à la base je suis pour le Racing. Aujourd'hui j'étais avec Castres du fond du cœur, voilà. Parce que ils n'étaient pas favoris et qu'ils ont une histoire, ce club a une histoire qui est magnifique et je suis heureux pour Benjamin et les autres. Quoi. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, Benjamin Urda Pilieta, dans la plus pure tradition des joueurs à la charnière des Pumas argentins, Fabien, qui ont toujours généré de grands joueurs. Je me souviens, au Stade français, j'ai eu Augustine Pichot, Juan Martin Hernandez, Philippe Conte Pourmi. Et ils ont souvent fait gagner. Il n'a jamais été international, Urda Pilieta. Alors, quand il le mériterait quand grandement. J'entraînais l'Argentine, il était dans le squat de Santiago Felan. Mais il ne l'a jamais retenu. Ben, à l'époque, il y avait quand même Juan Martin Hernandez et Philippe Conte-Pomi. Hein. Allez, on va aller voir Cédric avec Thomas Combezou qui lui aussi a réalisé une finale énorme. Oui, énorme finale, Thomas. Félicitations pour votre moustache aussi. mais est-ce que vous attendiez à un tel scénario tout de même? Non, du tout. On pensait à un match serré avec énormément de défis physiques. Vous savez, ce soir, c'est extraordinaire ce qui arriva. C'est la beauté des phases finales. On a beau être le plus petit, on se bat jusqu'au bout. Et quand on a envie de se battre, derrière, on peut faire de grandes choses. Justement, comment avez-vous fait? En fait, j'imagine que Christophe Furios vous a donné des consignes toute la semaine. Il y avait un plan ce soir bien établi qui a marché à merveille. On voulait gagner le jeu de l'occupation. On sait que c'est une équipe qui occupe très bien le terrain avec des grands joueurs qui ont des trop gros coups de pied comme Stein, comme Jesse Mogg. Ils trouvent très bien les angles. Mais voilà, on voulait gagner ce jeu. On l'a fait ce soir. Et vous savez, c'est extraordinaire ce qu'on a fait ce soir. Chaque année, de le faire, ça va être très dur. Donc on va vraiment le savourer, on est très fiers pour Castres, pour l'équipe, pour les supporters, pour la famille, pour tout. J'imagine que cette victoire du bouclier a une saveur toute particulière parce qu'en plus de ça, vous n'étiez évidemment pas favori ce soir. Vous finissez sixième de la phase régulière. Il y a eu beaucoup de courage, notamment en défense aussi. C'est là-dessus que vous gagnez aussi cette finale. Mais je pense que le rugby de haut niveau passe par là. Si on a une très bonne défense, on peut faire de grandes choses. Voilà, on a repoussé les assauts des Montpellierains. Et on a réussi les contrer en toute fin de match pour savourer 4 minutes de bonheur. Voilà, c'est extraordinaire, extraordinaire. Ce soir, c'est extraordinaire. En parlant de bonheur, je vous laisse rejoindre vos camarades pour fêter ça. Les minutes de bonheur, elles vont évidemment s'allonger de plus en plus pour les Castrais qui vont être à la fête quand ils vont rentrer à la maison. Demain, il va y avoir évidemment la fête parisienne. Ce soir, Fabien Galthié, quel exploit. Pierre-Yves Revol, le président de cette équipe, parlait d'un rugby de sous-préfecture parce qu'évidemment, Castres est une petite ville qui est la voisine de Toulouse. On dit qu'elle évolue dans l'ombre du Stade toulousain. Ils sont allés battre les Toulousains
Ernest Vallon lors du premier match de barrage, le quart de finale. Derrière, ils ont renversé le Racing. Ce soir, ils renversent Montpellier. C'est quand même assez extraordinaire hein, ce qu'ils ont réalisé, cette épopée. Là. Et vous l'avez dit, c'est leur troisième finale en 6 ans, dont 2 titres. Il y a dans cette équipe, dans ce club, une ADN qui les pousse à se surpasser et à lancer des épopées comme celle-ci. Quoi. C'est une équipe qui a une région, je dirais. Castres, c'est plus que... C'est le Tarn, quoi. Je pense qu'il y a tout un terroir, toute une culture. Et voilà, ils réussissent des exploits formidables comme ce soir. Alors, image forte là aussi avec tous les Montpelliérains réunis. Alors là, je peux vous dire. Là, les mots de Verne Cotter. Alors, c'est un échec cuisant. On n'entend rien, là, je peux vous dire. Les joueurs. Ça a été bref. Hein. Ah ouais. Les mots de Verne Cotter ont été brefs. Terrible, terrible. Mais là, c'est évidemment toute une saison qui s'écroule pour une équipe qui a. Quasiment a été toujours en tête du top 14 cette saison en phase régulière. Alors derrière, il y a cette question, effectivement. Il y a eu ce temps de latence entre la qualification et la demi-finale qui a été long parce qu'il fallait jouer les phases finales de Coupe d'Europe. Un match en demi assez facile face à Lyon. Et Christophe Rius le disait à la mi-temps, Fabien. Ils n'ont pas été habitués à ferrailler, à batailler comme nous face à Toulouse ou face au Racing. Et on va encore appuyer. C'est ce qu'ils ont fait, les Castres, en deuxième mi-temps. Tout à fait. Sur chaque plaquage, il y avait 2 castrés. Le premier se relevait, mettait les mains sur le ballon. Il n'y a pas eu un ballon facile à négocier pour les Montpelliérains. Jamais un ballon est sorti rapidement. Ils n'ont jamais pu trouver de l'avancée, trouver du rythme, trouver des séquences qui leur auraient permis d'exploiter leur jeu, leur potentiel, leur puissance. Ils n'ont pas trouvé de faille. Mais pour moi, la faillite des Montpelliérains, elle n'est pas là aujourd'hui. Elle est chez les leaders. C'est-à-dire que pour gagner les finales, il faut que les leaders soient bons. Il faut que les grands joueurs soient grands ce jour-là. Et aujourd'hui, à Montpellier, les grands joueurs n'étaient pas là. Que ce soit le talonneur, que ce soit la charnière, ils étaient aux abonnés absents. Ouais, notamment Juan Pinard, hein, le demi-mêlé qui avait été décisif en demi, qui ce soir est complètement passé au travers de sa finale, avec notamment 6 points laissés en route et cette première pénalité qui a dû faire très mal au moral des hommes de Verne Cotter. Clémentine, vous êtes en compagnie du manager du MHR. Oui, tout à fait. Verne, comment est-ce que vous expliquez ce soir avoir eu tant de difficultés à être dans le match? Ouais, c'est vrai que c'est compliqué à dire. J'ai juste regardé le nombre de pénalités. On a pénalisé plusieurs fois. On n'arrive pas à concrétiser. Sur les temps forts, on perd des ballons. Donc, on passe à côté de ce match. Vous avez le sentiment qu'il y a un gaspillage, du gâchis? Ouais, forcément, on est déçu. On est déçu parce qu'on n'a pas pu montrer autre chose que ça. Et j'enlève rien à Castres. Ils ont fait un bon match. Ils ont fait le match nécessaire pour gagner. Et on n'a pas pu imposer notre jeu. Donc, c'est dommage. Je suis déçu pour les joueurs, mais on va apprendre des choses. Vous avez l'impression justement qu'il y avait un manque d'expérience. Pourtant, vous avez des joueurs très expérimentés dans ce groupe. Ouais, ça se voit que tout le monde est. C'est un match. Il n'y a pas un match qui ressemble à l'autre. Hein. Et voilà, aujourd'hui, on passe à côté collectivement. Merci beaucoup. Ouais, on peut avoir 2 champions du monde à la charnière avec Pinard et Cruden. Cruden qui a gagné 3 rugby championships, 2 tri-nations, 2 super 15, qui a été champion du monde avec les Baby Black aussi. Il a tout connu. Et puis ce soir, il n'a pas pesé sur ce match. La charnière montpelliéraine a été en faillite toute la partie, Fabien. Notamment, comme l'a dit très justement Combezou, ouais, dans le jeu au pied, dans l'organisation du jeu au pied. Ce sont des joueurs qui sont très importants et Juan Pinard a été totalement défaillant dans ce secteur-là. Il n'a pas aidé son numéro 10 aussi. Vous savez souvent quand le numéro 10 brille, c'est que son numéro 9 le sert bien. Et puis devant la conquête, quoi, la Bismarck du PC a été imprécis alors que d'habitude c'est un joueur qui notamment en touche qui trouve absolument ses cibles. Rappelons-nous ce premier essai, une touche pas assurée à 5 mètres alors que les Castrés dans les mêmes conditions ont assuré toute leur conquête. Voilà, ils sont passés à côté, les leaders, les grands joueurs, les joueurs hors norme de Montpellier sont passés à côté et ont amené l'équipe vers la faillite. Même s'il y a eu cet essai de pénalité à 15 contre 14 qui relançait un tout petit peu Montpellier dans cette deuxième mi-temps, mais on a senti tout le match, une équipe en contrôle, Castres qui n'a jamais paniqué sur les sorties de camp, sur les touches à 5 mètres, à négocier à plusieurs reprises, ça a toujours été fait parfaitement. C'est une équipe qui a vraiment bien préparé son coup avec Christophe Furios. Et alors, cette relance de jeu à la fin qui plie cette finale, c'est magnifique. Une 89 d'école jouée par Mafi. Derrière, le ballon rebondit, 3 passes. Et les Castres vont aller marquer côté opposé après cet enchaînement.
c'est parfaitement joué, les joueurs se trouvent. Vous savez, là, à ce moment-là, les Castrés marchent sur l'eau alors que les Montpellier sont perdus. Quoi. Les Montpelliérains sont en train de chercher leur repère et les Castrés enchaînent. Thomas Combezou, hyper actif. Énorme. Hyper actif aujourd'hui. L'homme du match, il est peut-être là aussi, hein, dans l'activité. On pourrait donner ce titre-là à tous les Castrés tellement ils ont été bons, ils ont été forts. Même ceux qui sortaient du banc avec Mafi qui va inscrire cet essai. Jérôme Garcès qui a chuté dans l'embute, il vient de recevoir sa récompense. Il a été bon. Il arbitrait sa deuxième finale de la saison. Oui. Il avait arbitré la finale de challenge aussi. Il européen. A bon. Il a été très bon. Et c'est important d'avoir un bon arbitre. Si vous avez une finale agréable à voir aujourd'hui, si vous avez des essais, si vous avez du jeu, c'est parce qu'en début de match, Jérôme Garcès, il a fait la police sur le jeu au sol. Il a été intransigeant et les joueurs se sont collés à son arbitrage. Et ça nous a permis de voir un joli match de rugby. Louis Picamol, le capitaine de cette équipe de Montpellier, qui reçoit la médaille en chocolat de la part du président. C'est dur. Emmanuel Macron, ça fait toujours mal les perdants là. J'en ai perdu des finales avec Colomiers, le Stade français et Montpellier, c'est dur, je peux vous dire. Finale de chocolat, c'est violent. Et vous le voyez peut-être, violent. On est en train d'installer une scène en forme de cœur, parce que dans quelques instants aussi, il y aura un show assuré par Mika que vous allez vivre en intégralité sur France Télévisions. Ce sera la petite cerise sur le gâteau. Rory Cocotte, la Cocotte Minute avec Clémentine. Rory, j'imagine que vous êtes très très heureux. Encore une fois, on ne vous attendait pas. Qu'est-ce qui a fait la différence ce soir? Je crois qu'il y a trop de choses à dire. Tout d'abord, on doit féliciter Montpellier. Quand tu finis premier dans une saison, c'est un boulot énorme. Le seul truc qui se passe dans la phase finale, c'est que dans un match, n'importe quoi peut arriver. Et tout ce qu'on voulait faire, c'est montrer que pourquoi un jeu de rugby, c'est pour quelque chose qui nous dépasse. C'est pas pour les palmières, c'est pas que pour ça. Ouais. Vous êtes fiers de votre groupe, c'est ce groupe qui est resté soudé pendant toutes ces phases finales qui ont été longues pour vous. Ouais, je crois qu'on a commencé un peu tard de rentrer dans cet état d'esprit. À partir du match à La Rochelle, on a commencé à comprendre pourquoi on est là, pourquoi on veut être sur le terrain. Tout d'abord, il y a beaucoup de gens dans nos équipes. On doit donner toutes les gloires à Dieu qui nous aide dans le moment difficile et surtout dans le moment que on est content. Ouais. Vous avez du mal à réaliser? Ouais, je crois que j'ai un peu trop dépensé sur le terrain, du coup à parler c'est plus difficile. Ouais, mais c'est quand même... ce que vous voulez montrer aujourd'hui, c'est juste ça. On n'est pas une grande ville, mais pourquoi un jeu rugby, c'est pour quelque chose qui nous dépasse. Ouais. Merci beaucoup. Ouais, ça, c'est bien dit. En conclusion, c'est quand même le deuxième bouclier de Brennus pour Rory Cocotte en 5 ans. Ça n'est pas rien. On va peut-être rejoindre Cédric et Raphaël pour avoir une petite réaction de Raphaël aussi, son avis sur cette finale, là, Cédric. Oui, Mathieu, Raphaël qui a disséqué un peu cette finale avec beaucoup de recul. Raphaël, ce qui vous a étonné, c'est la solidarité de ce groupe castré et la mise en avant de joueurs qui n'étaient pas des stars, justement. Oui, alors c'est vrai que pour rebondir sur les propos de Rory Cocotte, si l'on comprend bien, c'était beau cette phrase. Quelque chose qui nous dépasse, c'est l'identité qu'a su trouver cette équipe tout au long de la saison pour aller au-delà de ce qu'elle peut faire. Et c'est vrai qu'il y a des joueurs de l'ombre, il y a des joueurs qui, durant cette finale, m'ont impressionné, qu'on ne connaît pas vraiment, ou en tout cas qui ne sont pas très connus du grand public. Je pense notamment au travail de Marc-Antoine Rallier, le jeune tanneleur issu du centre de formation du Castres Olympique, qui a joué 47-50 minutes, mais qui a joué son rôle à la perfection. Bien sûr, Thomas Combezou, qui a été un véritable gladiateur. Et c'est vrai que ça contrastait énormément avec toutes les stars ou l'addition de sélection montpelliéraine sur le terrain. Cette identité, elle est très forte. C'est ça, je crois, la vraie révélation de cette finale ce soir. Il y a toujours quelque chose de particulier hein, dans cette finale du top 14. On se souvient il y a 2 ans, le Racing avec un carton rouge en plein milieu. On se dit c'est pas possible, ils ne peuvent pas gagner. Puis ils renversent. Il y a toujours quelque chose d'irrationnel dans ces finales du top 14 qui bascule parfois pour l'équipe qui a le plus de cœur, le plus de solidarité. Oui, ça a été encore une fois une véritable démonstration justement de ce côté... charmant, côté original d'une finale du championnat de France. C'est vrai qu'on peut revoir parfois la formule du championnat et Montpellier pourrait
débattre de longues heures sur cette idée que voilà, en étant premier de la saison régulière, il mérite le titre de champion, mais ce parfum de phase finale, ce parfum de finale, il est exceptionnel. Cédric. Et oui, on va vous laisser parce que les Castrés sont en train de monter. Ils sont en train de monter à la tribune pour aller chercher le bouclier. Et d'ailleurs, pour rebondir aussi sur vos propos, ce serait un petit peu trop réducteur que de dire que Castres est allé la chercher au courage et au cœur, parce qu'il y a eu aussi une maîtrise dans cette finale, Fabien. Une maîtrise dans le jeu. On l'a vu sur des moments très importants, sur des moments aussi où ils étaient dominés. Il y a quand même quelque chose d'accompli dans cette performance. Moi, très accompli. Moi, je dirais qu'ils ont juste finale avec légèreté. Ils ont profité de tous les instants. On a l'impression qu'en face, les Montpellierains ont joué avec des chaussures plombées. Ils n'ont jamais trouvé leur rugby, ils ne se sont jamais lâchés. D'entrée, on a senti des Castrés alertes, tentant de se faire des passes, jouant juste, jouant ensemble. Ils n'ont pas perdu une minute de ce temps si précieux que leur a permis de vivre le droit des phases finales, cette victoire en quart, cette victoire en demi. Ils ont profité de chaque instant. Ils ont joué au rugby, ils ont joué leur rugby avec plaisir, j'ai l'impression, Mathieu. Alors les équipes finalistes dans les prochaines années devraient prendre des parts dans l'Oise pour aller au château qui porte bonheur, parce qu'encore une fois, les Castrés sont allés dans ce château Maffli deux fois. Ils ont remporté deux fois le Brennus. Et nous, avec le Stade français, deux fois aussi. Et une fois en tant que joueur, une fois en tant qu'entraîneur, pour Maffli. Antoine Tichit, évidemment félicité par son président Pierre-Yves Revol et le président de la Fédération française Bernard Laporte. Thibaut Lassalle, blessé, fracture à la jambe en match en demi-finale face au Racing, mais il est quand même là, oui. Le fils de Jean Lassalle. Jean Lassalle, bien sûr, qui doit être particulièrement fier. Oui, il est au stade, on l'a vu tout à l'heure. Jody Jenecker, le talonneur, qui était suspendu pour cette finale. Voilà, c'est tout le groupe Castrais qui est à la fête avec Daniel Coetzee, Gelon. On ne l'a pas encore beaucoup vu en bleu, mais croyez-moi, dans les années à venir, lui, c'est un futur crack. C'est intéressant le parcours de Gelon qui vient de Vic-sur-un-Sac, passé par Roche. Petit frère jumeau d'Antoine Dupont. Hein, ils ont fait toutes leurs armes, leur gamme ensemble. Et aujourd'hui, Gelon, il a fait un match extraordinaire. Alors c'est le sacre aussi d'un homme ce soir, Urios, alors que Kylian Galtier est inconsolable. Et bien c'est lui, c'est Christophe Urios, alors qu'il était en grande discussion sur ces dernières semaines avec son président, qu'on voit ici à l'écran, Pierre-Yves Revol, sur une renégociation de contrat. Il disait, même si je suis champion, j'ai envie de pérenniser tout ça. Bon, on peut penser que ça va aider dans les discussions. Ou alors il fait comme Zidane. Hein. Ou alors il fait comme Zidane. Partir au sommet avec ce bouclier de Brennus pour ce magnifique public qui est venu en nombre ce soir ici pour supporter cette équipe du CO qui va succéder à Clermont. Deuxième bouclier de Brennus en 5 ans pour cette petite ville de rugby qui a joué ce soir pour quelque chose qui les dépasse, pour paraphraser Rory Cocotte. Ils l'ont fait à merveille et on ne peut être qu'admiratif ce soir de la performance de cette équipe en finale, mais de la performance sur l'ensemble des phases finales. Trois matchs à la suite, trois matchs parfaits. Ouais, qui se ressemblent en plus. Même scénario, même attitude. Et Thomas Combezou, que vous avez eu sous vos ordres à Montpellier, qui a vraiment passé encore un cap saison. Il a dans son style, mais il a fait un match de marathonien partout. Je serais curieux de connaître ces statistiques, ballon et sans ballon. Et les écharpes étaient prêtes. Hein. Vous avez vu Castres, champion de France, qui déjà fleurissent un petit peu partout ici au Stade de France. Et voilà, ce sont les images que l'on vit chaque année avec les déçus en bas. Louis Picamol qui regarde ces Castrés qui vont soulever le bouclier de Brennus. L'ascenseur émotionnel, Mathieu. Voilà, c'est ça. Ce sont des moments forts. Alors ça peut aussi procurer un sentiment de revanche en se disant on va y revenir, on va venir plus fort les saisons à venir. Mais on le sait, c'est tellement difficile de revenir en finale, Fabien. Alors, des Montpellier en 2011, on reviendra. Il a fallu 6 ans et beaucoup de sueur et je dirais de sang pour revenir. Alexandre Bias qui félicite Rory Cocotte parce qu'évidemment il y a les 23 qui étaient engagés ce soir, mais il y a tous les autres parce qu'aujourd'hui une équipe de rugby professionnel, c'est près de 40 joueurs, hein, c'est quasiment 45. Voilà, 45 joueurs. En gros, c'est 45 joueurs. Et forcément, on en laisse sur le carreau tout au long d'une saison. Ah oui, il y a des mécontents, il y a des joueurs qui ne jouent pas mais qui portent l'équipe de par leur état d'esprit, leur comportement. Et il y a de tout. Voilà, il y a des blessés. Et puis le staff.
côté 20 personnes, 20 personnes autour des entraîneurs. Ça va du préparateur physique à l'intendant, à la logistique, au team manager. À Julien Caminati qui arrive tout décontracté, bob, short, à l'ancienne. À son image. À son image. Qui vient récupérer lui aussi la médaille. Elle est accrochée au cou des Castrais et croyez-moi, ils vont défendre chèrement leur bouclier la saison prochaine parce que c'est une équipe au-delà des performances en finale qui a aussi une régularité, une constance. Chaque saison, on les retrouve dans les 6. Toujours qualifiés. Chaque saison, ils disputent la Coupe d'Europe de rugby. Alors maintenant, on aimerait peut-être qu'ils brillent aussi sur la scène européenne, mais on sait que c'est aussi difficile de jouer sur les deux tableaux. Mais en tout cas, cette équipe-là, en mode phase finale, est une équipe redoutable et l'a encore prouvé tout au long de cette édition 2018, jusqu'au titre, jusqu'au sacre ce soir au Stade de France. C'est l'occasion de rendre hommage aussi aux entraîneurs casqués qui ont mené cette équipe. Trois fois, c'est Laurent Labitte et Laurent Travers, c'est Serge Emilias et David Darry Carrère. Et cette année, c'est Urios et son staff. Joe Lab pour les avants. Et Mathieu Babillot qui était vice-capitaine ce soir, mais qui a été très important tout au long de la saison. Lui aussi, néo-international. Et puis, le gamin du Pic Saint-Loup. Ah ouais, le Pic Saint-Loup est un plus sûr. Et Draogo qui jouait sa deuxième finale en... Le Pixel là, en 7 ans, pleure ses enfants. Et deuxième échec. Il y a 6 ans, Fufu avait joué avec la main cassée. Ouais. Il s'est fracturé la main face au Racing à Marseille. Il avait joué infiltré, il avait joué avec la main cassée face au Stade Toulousain. Et la défaite avait été plus courte, entre guillemets, 15-10. L'équipe menait 10-3 à la 50e et s'est totalement effondré. Le Stade Toulousain, le grand Stade Toulousain, est venu coiffer cette équipe 15-10. Et le dépit aussi de Benjamin Fall qui aura réalisé une belle saison avec cette équipe de Montpellier qui va maintenant s'envoler vers la Nouvelle-Zélande parce qu'il y a pas mal de joueurs là qui vont rejoindre le 15 de France qui va commencer sa tournée au pays des All Blacks. Le Brennus approche, le Brennus est là et le Castres Olympique ne va pas tarder à le présenter à son public avant que le show de Mika ne commence ici. Au Stade de France, tout le monde attend avec beaucoup d'impatience ce moment où l'on brandit un bout de bois que tout joueur de rugby espère un jour toucher dans sa carrière et que certains grands noms, très grands noms du rugby n'ont jamais touché, Fabien. Jamais. Par exemple, Serge Blanco avec le BO, il y en a tant d'autres. Alors après, il y en a qui ont eu la chance de le toucher plusieurs fois. Vous, ça a été une fois avec le Stade français en 2003 en tant que joueur. Une fois en tant que joueur en 2003, une fois en tant qu'entraîneur en 2007. Et maintenant, ça fait longtemps. C'est long. L'attente est longue. Ça reviendra un jour, allez. Très long. Ça reviendra. C'est le jeu, il faut se faire plaisir. Mais l'attente est longue. Quand on y a goûté, vous savez, Mathieu. Ah oui. J'imagine. C'est très vite une forme d'addiction. J'aurais rêvé. Il est là, le bouclier. Qu'apporte Guerrero Rico Cotte, le CO, le Castres Olympique, champion de France 2018. Cinquième bouclier de Brennus dans l'histoire du CO. Bravo, bravo messieurs. Chapeau, vous faites de beaux champions. C'était une finale haletante qui nous a plu aussi dans le jeu. On a pris beaucoup de plaisir à vous la commenter. On voulait remercier avant de donner la main à Cédric et Raphaël au bord du terrain toutes les équipes qui nous ont accompagnés durant cette longue saison de rugby avec le tournoi Destination, avec la Coupe d'Europe, avec cette finale de Top 14. Fred Godard qui était à la réalisation ce soir, Olivier Chabrol et toutes ses équipes de production. On pense à Fred Gaillard aussi, Eric Derken, tous les assistants. Je vais en oublier Nathalie Pinault, la scribe, vous évidemment Fabien. Et quelle saison, Mathieu. Avec vos expertises toujours parfaites.
Raphaël Ibanez au bord du terrain, Clémentine Sarla et Cédric Baudou, le taulier qui va conclure cette soirée. Cédric, on vous laisse la main, on a pris beaucoup de plaisir. Et Castres fait un beau champion ce soir. Salut Mathieu. Le Giro, salut Cédric. Mathieu, restez en place avec Fabien parce qu'évidemment on va assister au tour d'honneur là, du Castres Olympique. Et puis bien, vous allez revenir peut-être en image sur ce match, cette finale. En attendant, Raphaël, c'est vrai, on en parlait justement de cette équipe de Castres surprenante, parce que à la fin de la saison régulière, les Castrais ont fini 6e. Ils n'avaient pas la meilleure attaque du tout du championnat, ils avaient la 6e attaque du championnat, la 8e défense, et ils ont réussi à se transcender, se transformer lors de ces phases finales. Oui, alors moi je vais aller dans les clichés, on parle de la glorieuse incertitude du sport, mais plus que jamais cette saison, le Castres Olympique a démontré qu'avec beaucoup de force collective, la force du collectif, on peut arriver à renverser des montagnes, à réaliser de grandes choses. Et évidemment, il y a aussi cet aspect tactique, la maîtrise collective face à une équipe de Montpellier qui a très rapidement déjoué à l'image de ses leaders. Fabien, avec son expertise habituelle, l'a bien illustré, bien argumenté. Ce sont des duels dans les matchs qu'il s'agit de gagner. Et Urda Pileta et ses copains ont été monstrueux ce soir dans la maîtrise, dans cette rage collective, dans cette envie de vaincre face à ce qui se présentait comme une équipe dévastatrice qui avait démontré tout au long de la saison avec beaucoup de force sa mainmise, sa maîtrise sur le championnat. Ouais, Montpellier sur un match, bien voilà. Montpellier qui déjoue donc dans cette première période avec effectivement l'échec de son buteur Pinard qui était le maître à jouer en demi-finale et qui n'a pas réussi à se hisser aujourd'hui au niveau de l'événement. Et puis il y a ce jeu de Castres aussi avec non seulement un jeu très agressif en défense et puis Raphaël, des prises d'initiative aussi au large avec des joueurs qui ont joué crânement leur chance face à cette défense de Montpellier. Ah oui, moi ce qui me fascine dans cette équipe donc championne de France, c'est quatre sur les matchs couperés, dans des situations critiques, ils savent toujours trouver des ressources, des solutions. Alors il en faut beaucoup pour leur marquer des essais, évidemment avec cette mêlée conquérante, mais c'était bien peu, c'était pas suffisant pour tromper une équipe castraise qui l'a démontré face à Toulouse, face au Racing, elle sait saisir les opportunités avec cet essai de Dumoura notamment, et puis pourquoi pas se prendre l'air du large et se retrouver sur des mouvements d'envergure. Voilà, c'est une équipe de, non pas de contre, mais qui a la science du jeu avec une charnière en or. Avec un entraîneur aussi, Christophe Furios, qu'on a entendu à la mi-temps très sûr de lui, presque serein. C'était assez étonnant parce que ce match a failli basculer en seconde période. Et puis vous le voyez, le Castres Olympique a fini tambour battant avec ce dernier essai. Admirable, hein, avec une remontée de plus de 60 mètres du terrain. Et puis ses avants, omniprésents jusqu'au bout, qui ont remporté également la bataille devant la puissance. On parlait d'un grand combat, on avait peur de la puissance des Montpelliérains. Et finalement, c'est les avants de Castres qui ont mis la main sur le ballon. Oui, c'est vrai, vous avez raison, essai. Cédric. Les images parlent d'elles-mêmes. Cette euphorie aussi après cet essai qui vient conclure cette belle finale cette année. Eh bien, on le voit aussi là, la joie, le bonheur, cette énergie. En fait, cette équipe, elle se construit, il me semble, avec mon regard extérieur, elle se construit à travers l'énergie que se donnent les joueurs, les uns les autres. Et le courant passe bien. Voilà, le champion de France 2018, le Castres Olympique, qui remporte son 5e bouclier de Brennus, 5e bouclier de son histoire. On va tout de suite retrouver Clémentine Sarla avec, je crois qu'elle est avec Mathieu Babillot, il me semble. C'est ça, Clémentine? Bon, Mathieu, qu'est-ce que ça fait d'être champion de France ce soir? C'est un truc de dingue, un rêve de gosse. Voilà, fier de tout le groupe, de toute l'équipe. C'est une saison de dingue, avec des hauts, des bas, mais le résultat est là et c'est énorme. Vous avez un groupe formidable, c'est comme ça que vous le qualifieriez? Ouais, on a un groupe énorme, super mec, vraiment, c'est dingue. Super groupe, c'est que du bonheur, et voilà, ce soir on va profiter jusqu'à pas d'heure toute la semaine, et voilà. L'année 2018, elle a plutôt super bien commencé pour vous, l'équipe de France, un titre de champion de France, on peut pas faire mieux cette année? Ouais, je sais pas, ça, c'est perso. Là, ce soir, je suis juste content pour le groupe. Voilà, l'équipe, moi, c'est plus tard, c'est moi. Et là, c'est le groupe, on va profiter de ça ensemble. Merci.
Voilà, un groupe assez soudé. Puis il y a aussi, j'en parlais tout à l'heure, un entraîneur qui est assez charismatique, qui a fait un travail assez incroyable hein, lors de ces phases finales. C'est Christophe Furiot, ça va dire qui est aux côtés de Clémentine, c'est à vous. Oui, tout à fait, Cédric. Christophe, vous venez de monter les marches, vous venez de soulever peut-être le bouclier, j'ai pas vu. Qu'est-ce que ça fait en tant qu'entraîneur ? Bon, c'est une. Évidemment que c'est une émotion particulière, hein, forcément. C'est une grande joie, forcément, une forme de soulagement même, je trouve. Hein. Voilà, quand on arrive là sur une finale, c'est tellement dur de la perdre. Que voilà, aujourd'hui on avait mis les ingrédients, on a été capable de faire un très bon match. Dans mon sentiment, c'est que je suis extrêmement fier du groupe, évidemment de tout le groupe, et je suis fier surtout des gens qu'on a amenés au stade. Pour nous, c'est plus qu'une victoire. C'est une façon d'aborder le rugby de façon un peu différente. On l'a compris avec les mots de Rory Cocotte qui disait que c'est quelque chose qui vous dépasse. Ça a été quoi votre discours tout au long de la saison auprès de vos joueurs, et notamment dans les phases finales ? Bon, il est très variable, évidemment, en fonction des situations, mais... Vous savez, avec nos joueurs, on bâtit la saison avec eux. Donc, je pose toujours les questions de savoir ce qu'on veut faire dans notre saison, comment on veut le faire, quel jeu on veut pratiquer. Et on le fait toujours ensemble. Donc après, on a cette harmonie, on a cette espèce de cohésion ensemble parce qu'on le veut ensemble, tout simplement. Alors, c'est pas toujours facile dans la saison. Il y a des moments difficiles, évidemment, mais on se raccroche toujours à ça parce que c'est ce qui fait qu'on est ensemble, quoi. Merci, je vous laisse aller profiter avec tout le public à Castres. Clémentine, demandez-lui peut-être quand même s'il va rester à Castres. Ouais, il est peut-être déjà reparti. Christophe Furios, on pense qu'il restera à Castres. Juste pour rebondir, Cédric, sur les propos de Christophe Furios, et il a raison de le dire, une saison n'est jamais linéaire, Fabien Galthié, on le sait bien. Mais je me rappelle d'un discours, moi, de Christophe Furios. Je crois d'ailleurs que c'était un match à Montpellier, en fin de saison, où ils avaient pris une rouste. Et il avait dit à ses joueurs, il l'avait dit publiquement, qu'est-ce que vous voulez faire, où vous voulez aller. Et il y a des moments comme ça dans la saison. C'est peut-être à cet instant que ce groupe de Castres a pris conscience qu'il y avait ce Brennus peut-être au bout de l'aventure à aller chercher. D'où l'importance aussi, le rôle de Christophe Furios dans ce succès. Colossal. C'est lui qui donne le tempo, c'est lui qui a recruté ses joueurs, c'est lui qui a construit son équipe maintenant depuis trois saisons. Et voilà, il est arrivé non sans difficulté, en provoquant aussi le destin. Avec son équipe à aller chercher ce succès qui était loin d'être gagné. Une saison difficile pour ces acteurs, mais il faut expliquer donc aux téléspectateurs que le top 14 est une compétition qui est très très relevée. Tous les week-ends il faut ferrailler, il n'y a pas de match facile. Toutes les équipes sont capables de battre toutes les équipes malgré toutes les stars qu'il y a dans ce championnat. Il faut se le peler cette compétition, et ensuite il faut repartir sur des phases finales où là le scénario, tout ce qui est prévu, eh bien, ça peut parfois basculer pour pas grand chose. Ça me fait penser un peu au film de Woody Allen, Match Point, vous savez, la balle qui roule sur le long du filet là, et on ne sait pas de quel côté du bon côté. Elle va tomber. Et voilà. Elle est tombée du bon côté pour Castres ce soir, Cédric et Raphaël. Et le Brennus, c'est aussi avant tout une histoire d'homme, et les Castres l'ont magnifiquement prouvé ce soir. Ce qui fait justement le tour du Stade de France. Raphaël, restez avec nous parce que dans quelques minutes, c'est la fin de la saison, évidemment, sur ces images de Liesse, mais il va y avoir dans quelques minutes la surprise, la cerise sur le gâteau, avec un concert exceptionnel de Mika que vous allez pouvoir suivre en intégralité. C'est dans quelques minutes. On parlait justement du spectacle, de l'émotion que véhicule ce type de finale. Raphaël, quand on gagne le bouclier comme ça, Fabien disait qu'il a échappé à de grands champions. Il parlait. On peut rajouter Jean-Pierre Rive, Pierre Albaladejo, qui n'ont jamais touché ce bouclier. Qu'est-ce que ça représente dans la Raphaël vie d'un Ibanez, joueur Raphaël sais. Ibanez, mais j'osais pas le dire. Il n'a pas osé, il a peur, mais c'est pas grave. Mais oui, mais ça fait partie, ça fait partie des destins de certains joueurs. Quand on voit l'émotion que ça suscite, je crois que voilà, ça ne peut qu'apporter du bonheur aux gens. Et c'est ça aussi. C'est pour ça qu'on aime ce sport-là, parce que les joueurs se sont donnés énormément. C'est un sport de combat, un sport de gladiateur. Et ensuite, vous les voyez tomber dans les bras de leur compagne, de leur famille. Parce que voilà, je ne pouvais même pas imaginer Castres, ville au nord de Toulouse, légèrement enclavée. J'ai vécu là-bas pendant 3 ans. Justement, parlez-nous de ce club, parce que vous avez fait 3 saisons au Castres Olympique. 3 saisons là-bas au début des années 2000. Vous connaissez très bien Christophe Furios. Je connais très bien Christophe, exactement, qui laisse pas indifférent, parce que son rôle est essentiel, bien sûr, dans la construction vers ce succès. Mais c'est aussi, c'était un joueur, talonneur,
difficile, rugueux, qui a évolué après dans sa carrière de manager pour atteindre ce succès-là. Et donc Castres est une parfois souffre de ce côté un peu enclavé, voyez, mais en même temps crée une vraie solidarité, une vraie force. Voilà, c'est un peu le cliché tout au long de la semaine d'expliquer que c'est la sous-préfecture qui souffre, le petit face au grand. Mais ça, parfois aussi, ça n'a aucune incidence sur le jeu. Et si on revient juste sur l'aspect du match, voilà, parce que c'est ça, il y a 80 minutes, c'est, je sais, une expression que Christophe Furios affectionne particulièrement. Il ne parle pas de match, il parle de combat. Hein, voilà, c'est écrit chaque fois dans les vestiaires. À 15h, il n'y a pas écrit coup d'envoi, il y a écrit combat. Et ensuite, son expression favorite, c'est on va s'expliquer. On va s'expliquer à l'adversaire. Il va y avoir explication. Voilà. Donc c'est quelque chose, ça démontre toute la volonté, la détermination de son groupe. En tant que meneur d'homme, un certain joueur, par exemple comme Tichit, adore cet entraîneur. C'est-à-dire qu'il lui voue une admiration sans borne. Et il faut reconnaître qu'il a su mettre encore une fois les ingrédients dans cette finale. Alors que la lumière est en train de baisser dans le Stade de France qui nous annonce, je vous le disais, l'arrivée dans quelques minutes, dans quelques instants, de Mika pour un concert exceptionnel ici au Stade de France pour clôturer cette saison de rugby avant que Mika ne prenne la place ici au Stade de France. Je tenais à remercier toutes les équipes de France Télévisions qui ont travaillé toute cette saison de rugby à mes côtés et aux côtés de Raphaël Ibanez, de Mathieu Lartaud, de Fabien Galtier, de Clémentine Sarla. Vous le voyez, la scène est en place, les figurants également. Merci à Fred Godard également, notre réalisateur qui nous a suivis tout au long de cette saison lors des Coupes d'Europe, lors des test matchs, lors du tournoi Destination, lors de cette finale ce soir. Voilà, il est temps de nous quitter.